Bonsoir. Bonsoir Wafa, est-ce que tu m'entends maintenant? Ça va? Ah, voilà. Ça va, très bien. Bah, tout à l'heure, j'entendais rien. Désolée. Donc... Apparemment j'avais un petit souci au niveau Ah, j'étais pas la seule à d'enseignement. entendre alors. Oui, tu n'étais pas la seule. C'était Le son. l'ensemble de la communauté. Oui, c'était D'accord. l'ensemble de la communauté qui était un peu en déroute à cause de mon téléphone. Ça va sinon? Tu veux pas mettre le téléphone dans l'autre sens? Mettre le téléphone dans l'autre sens, c'est-à-dire Oui. comme ça à peu près. Non, dans le sens de la longueur. Ça, c'est à l'envers là. Le sens Voilà. de la longueur, comme ça. Voilà. C'est bon. Voilà. Voilà. C'est C'est bon. mieux comme ça. Ça Pour passe, c'est mieux. pouvoir, c'est ce qui défile. Voilà, bien évidemment. Voilà. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie d'être si nombreux et si nombreuses ce soir. Afif Mouat, modérateur et administrateur de la page Doctorat, ou du groupe du moins Doctorat en littérature française, francophone et algérienne. Nous avons l'honneur aujourd'hui et c'est un grand plaisir d'accueillir la romancière Wafa Gorbel qui nous honore avec sa présence. Nous avions l'habitude d'avoir des doctorants, celles et ceux qui sont en licence ou en master. Aujourd'hui, nous sommes certainement chanceux d'avoir une romancière tunisienne, francophone et arabophone à la fois, talentueuse, interprète, parolière et chanteuse du répertoire arabo-musulman, qui s'intéresse de près comme de loin aussi à tout ce qui touche la littérature et les genres littéraires, ainsi que l'écriture. Alors, Wafa Gorbel, bonsoir à toi. Bonsoir Rafif, heureuse d'être parmi vous ce soir. Merci de cette belle présentation. Et donc, voilà, donc, que le bal commence. Que le bal commence. Moi, je suis très ravi de t'avoir ce soir. Bah, premièrement, parce que je te connais personnellement et je sais que tu portes en toi des valeurs, que tu as ta propre vision de la littérature. Je sais aussi que ton talent est là. On a longuement discuté lorsque j'étais invité dans le cadre d'une manifestation scientifique autour de la musique et aussi autour de la littérature. Et c'est pour cela que je suis très heureux de t'accueillir ce soir. Alors, commençons d'abord par des présentations. Wafa Gorbel, dont on ignore parfois les multiples facettes. Wafa Gorbel, que le lectorat algérien semble peut-être méconnaître, certains ne te connaissent pas. J'aimerais d'abord revenir sur Wafa Gorbel, la personne. Wafa Gorbel, en tant que parcours dans le monde universitaire, mais aussi Wafa Gorbel, la romancière, l'écrivaine talentueuse. Donc, c'est moi qui vais me présenter, c'est ça? Je te laisse le choix. D'accord. Alors, commençons peut-être par le parcours universitaire. Je pense que c'était sur ça que portait ta première question. Donc, j'ai un doctorat en littérature et civilisation française que j'ai obtenu à Paris 3, à la Sorbonne Nouvelle en 2004. Et ça portait sur le mal, le thème du mal dans l'œuvre romanesque de Georges Bataille, qui est un écrivain, philosophe, ethnologue, plein de choses à la fois. Donc, je continue à m'intéresser à Bataille et à Duras également, mais pas qu'à eux, mais disons essentiellement à ces deux écrivains que j'aime beaucoup. Donc, je suis enseignante à l'Institut supérieur des sciences humaines de Tunis. J'enseigne la littérature française. Et puis en parallèle, donc, j'essaie de respirer par d'autres formes de, comment dire, d'activités, essentiellement artistiques. Donc, je chante et j'écris, j'essaie d'écrire des romans. Pour moi, c'est de l'art aussi, hein, même si parmi les formes de création artistique, on compte la poésie, mais pour moi, toute forme d'écriture
littéraire pourrait porter l'appellation donc art. Donc voilà, je suis très heureuse d'être parmi vous pour me présenter un peu. C'est un peu difficile. Tu parlais tout à l'heure du fait que les électeurs algériens ne me connaissaient pas. Malheureusement, je pense qu'il y a un problème au niveau de la circulation des livres. Les livres ont du mal vraiment à sortir de la Tunisie, pas uniquement vers l'Algérie, mais c'est encore pire en fait, parce que l'Algérie, c'est un pays voisin, vraiment, c'est le pays le plus proche de la Tunisie. C'est un peu bizarre que ça n'arrive pas, mais bon, ça peut arriver des fois hein, dans le cadre de foires de livres, de salons de livres. Mais sinon, en dehors de cela, les livres ne sont pas vraiment distribués ni en Tunisie, ni en Algérie, ni au Maroc, ni dans les autres pays du Maghreb. Voilà, après, on se posera forcément des questions sur la question, sur cette affaire de distribution de livres. Voilà. Je ne sais pas Voilà, moi avant, si j'ai répondu oui, à ta question. merci pour cette présentation et pourquoi je t'ai, disons-le comme ça, te présenter parce que la première fois qu'on s'est rencontré Wafa à Tunis, j'ai senti une forme, je dirais, un feedback. Un feedback, il y a eu des échanges très intéressants, il y a eu un aller-retour, il y a eu des échanges qui portaient sur ton parcours, sur le fait que tu aies choisi d'être romancière. Qui est un fait tout honorable, mais qui est aussi un engagement. Et justement, en lisant, j'ai eu l'honneur de lire tes deux romans, Le Jasmin Noir, paru aux éditions la Maison du Livre tunisienne. Et La même du livre. voilà. Adam. Et justement, le premier livre que j'ai déniché, c'était à Tunis. C'est Le Tango de la Déesse des Dunes. Que j'ai eu, j'attends encore qu'il soit dédicacé, on aura peut-être à se voir. Et voilà. Moi, pourquoi est-ce que j'évoque d'emblée tes deux livres, tes deux romans? Parce que derrière, et cela, j'irai en filigrane, c'est en relation avec la question que je t'ai posée tout à l'heure par rapport à ton parcours. En lisant Wafa Rebel, on a l'impression aussi d'avoir affaire à une dame, à une femme très engagée, mais à une femme aussi qui sait ce qu'elle fait, qui sait ce qu'elle va. Et où elle va, pardon, et c'est le fruit aussi d'un parcours. Qu'en penses-tu? Un parcours aussi bien culturel, un parcours universitaire, une formation à la Sorbonne Nouvelle. Est-ce que cela a eu un impact sur, je dirais, le fait que tu exerces aujourd'hui pleinement, on ne va pas dire comme ça la fonction, mais que tu sois aujourd'hui romancière ou. Comment vois-tu la chose? Est-ce que ton parcours a eu un impact sur la Wafa Rebel romancière? D'abord, j'aimerais juste rectifier un mot. Je n'ai pas choisi de devenir romancière. En fait, ça s'est fait comme ça, c'est-à-dire que je n'ai pas pris la décision un jour de devenir romancière. J'ai pris la décision, s'est faite en moi peut-être, ou l'écriture s'est élue en moi ou m'a élue pour que je l'exerce en fait, simplement. Pour parler de vraiment fonction, entre guillemets, vocation d'écrivaine, c'est venu bien plus tard en fait. Disons que la conscience d'être devenue écrivaine ou écrivain est venue au moment où j'ai pris la décision de publier le livre. Sinon, toute la période qui a précédé la publication, c'était une période où je n'avais pas encore conscience du fait que j'étais déjà devenue écrivaine. Donc, ce n'est pas vraiment une décision hein, dans mon cas, c'est venu comme ça. Tu me parlais de mon parcours. Oui, bien sûr, je pense que ce qu'on écrit est le fruit de notre parcours. C'est-à-dire, si on n'a pas fait les lectures qu'on a faites, si on n'a pas fait les études qu'on a faites, si on n'a pas fréquenté les gens qu'on a fréquentés, si on n'a pas visité les pays qu'on a visités, notre littérature, notre écriture serait différente. Donc forcément, l'écriture, elle se décline en fonction de la formation et du parcours et de l'histoire de chacun. D'accord, donc si je comprends bien,
Il y a un décalage. Pardon peut-être de t'interrompre, mais Hein. si je comprends bien, ce n'était pas un choix au départ. Cela s'est fait, cela s'est fait comme ça. Mais il y a eu d'abord cette idée qui germait en toi, n'est-ce pas? Oui, Tu vas pas me forcément. dire quand même que tu n'avais pas, tu avais. Oui, vas-y, vas-y. Désolée, il y a un décalage. Donc, du coup, là, ton image s'est arrêtée et tu continues à parler, il y a décalage. Donc, si tu m'arrêtes ou je t'arrête, ce n'est pas fait exprès. Les auditeurs vont D'accord. essayer. Voilà. Bien sûr, ils vont comprendre. C'est les Oui. aléas, du direct. C'est les aléas du direct. Oui, déjà qu'en Tunisie, ça se passe des fois comme ça. Là, c'est la distance est plus, voilà, elle est plus grande, donc c'est normal qu'il y ait des petits problèmes de Conséquence. Voilà. santé. Donc, je disais, Évidemment. je sais plus ce que je voulais. À l'âge de 15-16 ans, j'avais écrit mon premier roman en langue arabe. J'étais encore lycéenne. J'avais écrit un roman qui s'inspire un peu de la vie de mon papa. Et où il y a des événements qui m'ont marqué, notamment la mort de ma grand-mère jeune à mon âge aujourd'hui. Donc en laissant derrière elle 9 enfants, cette histoire m'a beaucoup marquée et c'était la première histoire donc familiale qui m'a un peu inspiré mes premières écritures de jeunesse, donc de jeune fille encore, parce que j'étais encore une fillette, j'avais 15-16 ans, voilà. Donc, je ne savais pas si j'étais vraiment consciente du fait que je voulais un jour devenir écrivaine. C'est sûr que ça sommeillait en moi. Donc, je lisais plein de grands écrivains et c'est sûr que ça me faisait rêver. Sinon, je n'aurais pas imité parce que c'est de l'imitation, en fait. On lit des choses qui nous plaisent, même si on n'imite pas dans le style, mais on imite cette envie de dire des choses, cette envie de faire parvenir, de faire passer un message, de dire des choses qui nous pèsent sur le cœur. Donc ça, c'est les lectures qui donnent cette envie et je pense que c'est venu en même temps qu'en lisant, en fait. Je lisais et le fait de lire me donnait envie d'écrire. Voilà. Je ne sais pas si c'était Justement, pour... enfin, par rapport, Oui. par rapport à ta jeunesse et par rapport à, je dirais pas tes débuts, mais bien avant le début de ta carrière ou bien du fait que tu sois romancière aujourd'hui, j'aimerais savoir ou te poser directement une question par rapport à tes lectures. Est-ce que tu avais un choix par rapport à tes lectures ou bien est-ce que tu lisais tout ce qui te tombait entre les mains, nouvelles, romans, poésie, ou bien avais-tu un auteur, je dirais, favori, disons-le comme ça, ou préféré du moins? Quelles étaient tes Alors, lectures préférées et quelles étaient aussi les lectures qui t'avaient au départ influencé? au départ, c'était les lectures imposées par, entre guillemets, par l'école, par le lycée. Donc, c'était ça, c'était comme ça. Donc, vers l'âge de 12-13 ans, j'ai commencé à découvrir les grands romans, notamment grâce à mon ancienne prof d'arabe, qui est maintenant, on peut dire, ma meilleure amie, et qui nous a ouvert l'esprit sur des lectures extraordinaires du genre Mahmoud Taimour, Najib Mahfouz, je sais plus, Jabran, Khalil Jabran, voilà des lectures de ce genre, Mostafa Lutfi Manfalouti et tout, donc tous les grands classiques. Après, moi-même, j'ai commencé. Donc, je me suis mise à lire ce qu'il y avait dans la bibliothèque de mes parents, de la famille, donc la bibliothèque familiale. Et il y avait beaucoup. Bon, papa lisait essentiellement et maman aussi en arabe. Et il continue à le faire. Et c'était surtout donc toute la collection de Najib Mahfouz, Hassen Abdelkoddous, Taha Hassine. Donc, je lisais voilà tout ce que je trouvais. À un moment donné, j'étais vraiment très une grande lectrice. J'étais jeune, mais j'aimais beaucoup lire et je m'enfermais dans ma. Ça correspondait à l'époque de l'adolescence. Donc, je m'enfermais dans ma chambre. J'empêchais un peu ma sœur, parce qu'on se partageait la même chambre, je l'empêchais d'y entrer. Je lui disais qu'elle me dérangeait, qu'elle me gênait, ça l'énervait et elle allait me dire à maman que j'étais pas gentille parce que je lui disais que Alors je. là, c'est une anecdote. Alors là, Voilà. c'est une anecdote.
Il y a Voilà. justement dans ce temps un ou une internaute, je présume, qui te pose d'emblée une question comme ça, si tu permets. Alors, Oui. chanson douce, qui te dit Wafa, j'aimerais bien savoir quel est le livre qui vous a marqué le plus. De toute l'histoire de mes lectures? Apparemment, la question est dans ce sens. J'aimerais bien savoir quel est le livre qui vous a marqué Non, le plus. c'est une question à laquelle il serait Est-ce que impossible tu peux de de répondre. répondre? Oui, justement, parce que généralement, on a tous un livre qui marque, j'irais, un seuil, qui marque le passage vers, j'irais, un autre monde, vers un autre genre et tout ça. Mais si tu avais, j'irais, un livre qui t'a marqué, du moins dans ta jeunesse, ou bien plus tard, à toi, le choix. En donner plusieurs, pas un seul, si tu me le permets. Donc le Bien sûr, je premier, te le permets. voilà, Oui, on le premier t'écoute là-dessus. c'est Salwa fi Mahabrih de Mahmoud Taïmour, parce que c'était ma première lecture d'adulte, quoi, parce que c'est un livre qui s'adresse à des adultes et c'était programmé, comme je l'ai dit, par Madame Raïd Albé, qui est mon ancienne prof, et c'est la première lecture pour adultes, c'est-à-dire que j'étais passée à la lecture pour adultes, c'était ma première année au lycée. Voilà, c'était vers 12 ans. Ça, c'est la première parce que c'est celle qui m'a marqué le plus et c'est celle qui m'a initiée à la lecture sérieuse, classique, ou à la lecture, comment dire, savante. Ensuite, donc pour le premier roman en français, c'était Belle Amie de Maupassant. C'était ma première lecture en langue française, également ma première lecture consistante, disons. Et puis, mais donc après, bien sûr, il y a eu plein de grands écrivains, mais il y avait une lecture très déterminante dans ma vie, à savoir Madame Edouarda de Georges Bataille, parce que ça a un peu déterminé mon orientation, ma carrière. C'était une claque, une grosse claque. Donc Bataille et Sade à la fois, hein, c'était l'année de ma maîtrise, et c'est une lecture qui m'a ouvert les voies vers la philosophie. Donc c'est grâce à cet écrivain, à Bataille, que j'ai découvert Nietzsche. Bon, on l'a étudié l'année du bac, mais c'est autre chose, hein, c'était vraiment très scolaire et ne permettait pas vraiment d'accéder à la pensée de Nietzsche. Et c'est grâce à Bataille que j'ai pu découvrir Nietzsche et bien d'autres penseurs, Donc c'est grâce. Blanchot, plein d'autres penseurs, voilà, Foucault aussi, grâce à Bataille, donc par ces passerelles qu'on peut trouver comme ça, en lisant un livre qui nous renvoie vers un autre livre, donc grâce à l'intertextualité, grâce à plein d'autres détails. Mais voilà, peut-être c'est les livres les plus marquants dans ma vie. Mais je ne peux pas dire que c'est les livres que j'ai le plus aimé parce qu'il y en a plein, plein que j'ai aimé. Et à chaque âge, il y a un amour différent. Les Anem, par exemple, d'Hassan Abdelkaddous, je l'ai lu et je n'ai pas pu dormir avant de l'avoir terminé. Il s'appelle comme ça et je l'ai vraiment concrétisé, cette expérience de ne pas dormir, d'être en insomnie pour terminer la D'un lecture d'un trait, livre. une lecture. Voilà. Il y Voilà, a c'est la aussi. lecture d'un trait. Pardon? Tu disais? Oui, je disais que c'était une lecture d'un seul trait, c'est-à-dire une lecture à la Voilà, fois sans pourtant s'arrêter. c'est un gros pavé comme ça, hein. C'est pas un Il est petit et je volumineux, il est volumineux. voilà, je vais Et avoir 4 saisons. moi, ce que je crois, t'étais une championne alors. Ce que je crois, voilà, disons-le comme ça. Moi, ce que je crois, bien évidemment, c'est que tu étais entre, ou à la lisière, ou à la croisée, je dirais, de deux univers. À la fois, tu avais le cocon familial qui était à la fois ouvert vers la langue française, mais qui était, je ne dirais pas très traditionnaliste, mais qui était quelque part aussi, je dirais, fédérateur autour de la langue arabe, autour de la culture arabe, autour de la Tunisie des années 80-90, mais aussi tu avais cette envie de, je dirais pas de l'ailleurs, mais je dirais aussi cette envie de découvrir la langue française à travers ses auteurs et à travers tes lectures. Ne penses-tu pas que cela aussi a eu un impact sur ta vision aujourd'hui?
Alors, pour être honnête, mes parents, ils n'avaient quasiment pas de livres français dans leur bibliothèque, hein, pour être honnête. Donc, disons que le français n'est pas du tout une langue maternelle. J'ai appris le français à l'école primaire, à l'âge de 9 ans, comme ça se faisait à l'époque. Ben, maintenant, ça dépend si on est dans le public ou dans le privé. Les enfants, ils commencent le français à la maternelle en Tunisie, souvent. Mais à l'époque, c'était vraiment une deuxième langue à étudier le français. Mes parents ne m'ont pas forcément orientée vers ça. Je me souviens que avec ma sœur, quand on chantait dans la voiture, on mettait du Michael Jackson à l'époque. Elle nous disait, mais votre grand-père n'est pas français quand même. Et des fois, je me pose la question si j'avais pas un grand-père, un ancien français, parce que c'est une chanson classique arabe, orientale, c'est avec ça que j'ai grandi, c'est en chantant Om Kalthoum, Najet, Warda, Abdel Halim, c'était mon premier amour, quasiment, carrément quoi. C'était pas juste un chanteur, donc pour moi c'était ma référence en matière d'homme. Donc à un moment donné, il y a eu un clivage, je sais pas comment ça s'est fait. Donc j'étais même, comment dire, un peu fanatique de la culture vie, et c'est parce que quand on est jeune aussi et qu'on n'a pas d'autres références, on a l'impression qu'il n'y a que ça. Et on est un peu fanatique. Et moi, je me disais que la chanson, elle ne pouvait être qu'orientale. Pour moi, tout le reste, ça n'avait pas de sens. Mais c'est parce que juste parce que je ne connaissais pas. Quand on ne connaît pas, c'est facile de juger, de dire, voilà, moi, j'ai la meilleure des cultures et tout le Mais reste, c'est quand on rien va du tout. s'ouvrir, mais quand on va s'ouvrir justement vers je dirais cette culture universelle, occidentale aussi, on se rend compte qu'il y a des spécificités culturelles de chez nous, mais il existe un ailleurs et il existe d'autres références, d'autres visions du monde, d'autres Exactement. perceptions qui peuvent être prises en considération. Alors il y a un internaute qui te dit c'est Shiraz Hakim. Alors bonsoir. Je suis impressionné par votre capacité à gérer les deux langues, un bilinguisme parfait, deux univers littéraires, littérature arabe et littérature française, que vous ne confrontez, mais que vous jumelez pour créer votre univers. C'est-à-dire, il n'y a pas une confrontation entre la littérature arabe et francophone, mais il y a, je dirais, un jumelage ou une forme d'harmonisation des deux langues. As-tu quelque chose à dire là-dessus? Je pense que ça rejoint aussi ton propos. Oui, merci beaucoup Shiraz, très beau commentaire. Ça me flatte de savoir que j'ai réussi ma tâche en arabe, donc aussi, parce que le français, ça va un peu de soi, comme c'est une spécialité, donc c'est normal, je corrige des copies, donc forcément, je fais attention vraiment à ce que j'écris. Mais l'arabe, c'est une autre paire de manches parce que moi, depuis l'année 1995, l'année des dinosaures, la disparition des dinosaures, l'année de mon bac, en fait, simplement, je n'écris plus en arabe. Donc, c'était ça mon pari, justement, c'était de me prouver que j'étais encore capable de m'exprimer, de me dire également dans la langue arabe. Et c'est pour cette raison que je voulais moi-même traduire le jasmin noir en arabe, Yasmine El-Aswad. Et Nous allons voilà. bien évidemment, Pardon? nous allons bien évidemment y revenir au fin avant d'entamer la Oui. présentation de tes deux Des œuvres, Le Jasmin Noir, Oui, qui fut édité je vais la pas première fois développer. en 2016 en Tunisie et qui, tu me corrigeras, qui fut traduit en 2019, c'est ça? Ou bien au début de l'année 2020 pour la traduction? Non, il a été publié. En fait, la traduction s'est passée un peu avant, mais la publication, elle a eu lieu en avril ou mars, je sais plus, 2019. Voilà. Non, Voilà, 2020. donc je ne me trompe pas. Si, Donc je ne me trompe pas. La 2020. traduction, c'est la traduction, Premier. c'est 2019. La traduction, Oui. c'est Oui, c'est 2019, en 2000. d'accord. Voilà. Mais j'aimerais bien, avant de revenir sur tes romans, j'aimerais bien t'adresser une toute petite dernière question concernant justement le fait d'être romancière. Comment est-ce que tu vis cela au quotidien avec ta profession? En tant que professeur de littérature à Tunis et aussi en tant que maman, parce que tu es maman.
Et est-ce que cela te prend énormément de temps? Est-ce que tu te consacres beaucoup plus, je dirais, à ta profession qu'au fait d'être romancière? Ou bien est-ce que tu arrives à joindre tes deux facettes à côté, bien évidemment, de ton talent ou de tes nombreux talents d'interprète? Parce que rappelons-le, Madame Wafa-Hourbel est aussi chanteuse et parolière, je vais dire ça comme ça, spécialisée dans la musique arabo-musulmane, voire orientale. Alors, bon, c'est un peu difficile de jongler, hein, j'avoue, je suis pas, j'ai pas de super pouvoir. J'ai plus d'ambition que de capacité, mais j'essaie en fait de réserver un temps pour chaque chose que j'aime faire. Bon, bien sûr, d'abord, c'est le petit, c'est la famille. Ensuite, le travail. Heureusement, à l'université, on n'a que 2 jours de boulot, donc avec ce qu'on fait à la maison aussi, donc ça me prend voilà 3 4 jours de travail en tout. Et puis il y a la nuit aussi où les gens dorment. C'est là que se réveillent les écrivains aussi pour pouvoir écrire. Donc c'est ce qui explique aussi ma lenteur et le fait que je mets beaucoup de temps avant de pouvoir publier un livre. Il y en a qui sont capables de pondre entre guillemets un livre en 6 mois et moi je mets 2 à 3 ans pour écrire un livre. Ça prouve que des fois j'ai du mal un peu à jongler entre ces 3 dimensions, disons, de ma vie, 3 ou 4 même, disons, entre le fait d'être maman, le fait d'être enseignante, de chanter et d'écrire. Donc, je le fais par intermittence simplement. Il y a des moments où je vais privilégier un côté, un aspect de ma vie, il y a un autre où je vais en privilégier un autre. Et voilà, il y a les deux constantes, la famille et le travail. Et puis, il y a les deux autres variantes, l'écriture et la chanson. Et ça, je le fais en fonction un peu de mon humeur, de ma disponibilité, de mon envie et de plein d'autres choses. Voilà. Il y a une question justement que je viens de lire de la part de Madame Samia Moufor, qui est professeure à l'université de Betna 2, Algérie, et qui te dit, Wafa, est-ce que vous croyez que votre écriture s'inscrit dans la littérature maghrébine? Alors, pour moi, il n'y a pas une seule littérature maghrébine, il y en a plusieurs, et d'ailleurs, il y a plusieurs littératures tunisiennes, pas uniquement maghrébines. Donc, pour te dire à quel point la littérature, il n'y en a pas une seule, il y en a plusieurs, et heureusement. La littérature maghrébine, pour être honnête, je n'ai pas tout lu, ce n'est pas, c'est-à-dire que je n'ai pas vraiment de référence en la matière pour dire, bon, j'ai lu par exemple Kateb Yassine, ou j'ai lu Yasmina Khadra, ou j'ai lu donc les grands noms de la littérature maghrébine. De là à dire que je suis une spécialiste en la matière pour pouvoir me comparer à ce qui se fait, j'en serais incapable. Je pense me situer ou m'inscrire dedans, forcément, puisque je suis maghrébine moi-même et que voilà, j'ai ces origines, et ne serait-ce que par ces origines, je suis inscrite dedans. Dans mes romans, je parle de Tunisie, je parle d'un ailleurs aussi, mais puisque la Tunisie fait partie du Maghreb et que je parle beaucoup de la société tunisienne, notamment des tares de la société tunisienne. Je m'inscris, je pense, forcément dans la littérature maghrébine, avec un métissage, forcément. Moi, ça me définit, le métissage. Métissage culturel, pas forcément génétique, mais ça me définit, puisque dans mes écritures, forcément, je fais appel à mon bagage littéraire français, franco-français et francophone d'ailleurs. Je pense que tout cela laisse des marques dans mon écriture, pas uniquement la littérature maghrébine. Et puis aussi en même temps, la littérature, qu'est-ce que c'est que la littérature? Comment peut-on définir la J'allais y littérature venir. maghrébine? C'est ça la. Maghrébine, voilà. C'est quoi le Moi, je pense Maghreb? aussi. Voilà. Voilà. Moi, je pense aussi que c'est la question, l'une des questions phares, je dirais, qui est assez récurrente aussi dans les universités
je dirais, au Maghreb, c'est justement le fait de classer les Fini. écrits des Maghrébins et de définir aussi, que ce soit l'esthétique ou que ce soit le genre, les genres en question. Et moi, je pense beaucoup plus, je ne sais pas si tu vas me rejoindre là-dessus, que la littérature maghrébine est d'abord définie par sa culture, par ses spécificités, par le fait que tout écrivain, comme toi d'ailleurs, est, je dirais, au quotidien dans un espace maghrébin. Avant, bien évidemment, d'être dans un espace, je dirais, universel, on s'inscrit d'abord dans un territoire. Donc, pourrait-on parler d'une littérature territoriale, justement? Parce que moi, quand j'écoute littérature maghrébine, j'ai l'impression qu'on est en train de nous restreindre à une certaine zone d'activité pensante. Qu'en penses-tu, Wafa? Oui, je suis tout à fait d'accord. Et puis même, le Maghreb, il est situé entre l'Afrique et l'Europe. Donc, c'est un peu la tangente entre ces deux continents. Et du coup, on ne peut pas vraiment le restreindre à ses limites géographiques. C'est beaucoup plus large que ça en matière de culture, en matière d'histoire. Donc, forcément, ceci transparaît également dans les écritures. Je pense que c'est vrai que la question est très intéressante, mais il faudrait des heures et des heures pour pouvoir y répondre parce Pour que, y répondre. voilà, Oui, bien évidemment. parce que en tant que maghrébine, moi je suis ouverte sur d'autres mondes également. Donc, si c'est ça que d'écrire dans la lignée des maghrébins, oui, je pense être dans cette lignée. Voilà. D'accord. Une autre petite question aussi de la part de Chanson Douce qui nous pose aujourd'hui. Sa deuxième question, ou une deuxième question. Alors, chaque écrivain écrit pour un but, soit pour le plaisir, soit pour témoigner, pour se libérer, pour changer peut-être les choses dans la société. Le plaisir est là, certes, mais que représente l'écriture pour vous? Pour quelle raison écrivez-vous? Alors moi, j'écris certainement pour tous ces éléments-là. J'écris essentiellement pour me vider moi-même, pour dire des choses qui me pèsent sur le cœur, pour ne pas en mourir peut-être. J'écris souvent dans cette urgence du dire, dans cette urgence de me vider. C'est l'écriture a pour moi cette fonction essentielle cathartique. Donc elle me permet de respirer et d'aller un peu dans mes profondeurs et de me vider, voilà. Donc ça, pour moi, c'est la fonction essentielle. Bien sûr que ceci est accompagné d'un plaisir indéniable, même dans la souffrance de l'écrit. Tu voulais dire quelque chose? Oui, bien évidemment. Penses-tu qu'il y ait une forme d'urgence à écrire? Oui, je le pense. En tout cas, pour moi. Pour moi, j'écris quand je ressens un besoin indomptable. Quand j'écris, c'est que vraiment j'en ai besoin. C'est pour ça d'ailleurs que je n'écris pas beaucoup, je n'écris pas rapidement parce que le besoin d'écrire n'est pas tout le temps là. Ce n'est pas quelque chose qui m'accompagne tout le temps. Donc c'est quelque chose qui vient par impulsion, comme ça, comme des remontées en moi. Et c'est à ce moment-là précis que je prends la décision d'écrire. Donc, je ne suis pas du genre à pouvoir passer 5 ou 6 heures devant mon ordinateur en me disant, voilà, je vais me forcer à écrire, les idées viendront après. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je ne suis pas une machine. Donc, il y a des écrivains, peut-être plus professionnels que moi, qui se disent, voilà, moi, je dois travailler de minuit à 5 heures ou de 5 heures à 10 heures, je ne sais pas. Moi, ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, il y a des jours où je peux rester 10 heures devant mon ordinateur. Il y a des jours où je ne peux pas m'approcher de mon ordinateur et j'ai rien à dire. C'est très aléatoire et ça dépend énormément de cette urgence qu'il y a en moi ou qu'il n'y a pas en moi, voilà, au moment où j'écris. Je ne sais Moi, pas si j'ai j'ai non. bien, je crois que tu as répondu largement à la question, mais j'ai un petit témoignage qui, je Oui. pense, devrait te faire très plaisir. C'est de la part de Ramdan Hamza qui te dit: Votre roman, Le Jasmin Noir, m'a beaucoup marqué et touché. Les mots se métamorphosent en des images, en des scènes et en des séquences visuelles qui brossent un décor tantôt lugubre, mélancolique, tantôt radieux et lumineux.
Un style d'écriture magnifique et superbe qui provoque la chair de poule et qui dénote le génie dissimulé en toi, la virtuosité, les performances et le pouvoir d'impacter, pardon, le lecteur. Ça, c'est Bon, très sur beau. les mots, oui, c'est très Merci beau, beaucoup. je partage aussi ton avis, mais il y a quelque chose aussi d'intéressant, pouvoir d'impacter le lecteur. C'est-à-dire que tes écrits, ou je le pense aussi que tout écrivain ou tout romancier a ce pouvoir-là d'exercer une influence à la fois par le style, à la fois par le langage, à la fois par ces images ou cette visualisation que le lecteur arrive justement à percevoir et parlons directement de la réception. Qu'en penses-tu? Oui, forcément. Bien sûr, si on ne trouve pas cette façon de happer un peu l'intérêt du lecteur, bah, personne ne peut être fidèle à cet écrivain. Je pense que c'est essentiel de trouver un moyen, même si ce n'est pas un moyen, mais comment dire, recherché de façon consciente. Moi, forcément, je ne termine la lecture que du livre à part les livres programmés quand j'étais étudiante. Les livres que je lis maintenant, si le livre m'intéresse pas, je le lâche, hein. Je suis pas du genre à me dire, allez, il faut que je lui donne une chance. Je lui donne une chance de 50 pages, par exemple. Si c'est pas bon, bah, je vais pas culpabiliser parce que j'ai pas terminé la lecture d'un livre. Donc oui, je pense qu'il faut absolument trouver le moyen d'attirer l'attention et pour moi plus que l'attention l'émotion du lecteur. Moi pour moi ce que j'écris c'est des émotions qui doivent partir de mon cœur à moi pour atterrir dans celui du lecteur. S'il n'y a pas cette d'ailleurs c'est la même chose pour la chanson hein. Pour moi c'est exactement la même chose et je pense que c'est cette circulation des émotions de l'écrivain au lecteur ou à l'auditeur s'il s'agit de chansons ou à celui qui regarde s'il s'agit d'un tableau, c'est cette circulation des émotions qui rend la communication possible et qui peut nous dire si l'écrivain a comment dire a réussi sa tâche ou pas, s'il a fait son boulot ou pas. S'il n'y a pas ces émotions-là partagées, ça veut dire simplement que l'écrivain n'a pas réussi sa tâche. Voilà. Après, on n'est pas obligé de la réussir avec tout le monde. Donc, c'est sûr que on peut pas plaire à tout le monde. Qu'il y a, je sais pas, j'ai pas reçu des témoignages dans ce sens parce que les gens peut-être n'osent pas. Mais c'est sûr que le livre ne va pas, le même livre ne va pas avoir le même effet sur tout lecteur. Il y en a qui vont être plus sensibles que d'autres par rapport au style, par rapport au sujet abordé, par rapport à leur propre expérience, parce que l'expérience racontée dans le livre, elle pourrait aussi faire appel, ou alors elle pourrait, faire l'écho plutôt d'une expérience vécue par le lecteur lui-même, ou d'une expérience dont il a entendu parler. C'est ce qui permet l'identification. Et l'identification, je pense, est essentielle. C'est pour ça que Hamza, tout à l'heure, il parlait d'avoir la chair de poule. S'il ne s'était pas identifié à mon personnage, je pense qu'il n'aurait pas eu C'est un cette chair vibrant de poule dans témoignage. son. Oui, c'est un vibrant témoignage. Pourquoi? Parce que tu arrives justement à toucher tes lecteurs, et je ne crois pas qu'il y ait peut-être, oui, des sensibilités, je suis d'accord là-dessus. Mais préférer tel ou tel aspect stylistique ou linguistique ou thématique par rapport à un autre, cela n'engage que le lecteur parce que. Chacun a sa lecture, chacun, comme tu viens de le dire, a ses sensibilités. Et c'est là-dessus que j'aimerais te, du moins un internaute, Hamza Shbira, t'aimerais nous poser, je dirais, parce que c'est une question qui nous interpelle les deux, étant maghrébin. Alors, on lui dit, un intellectuel peut passer aisément d'une culture à l'autre, d'une langue à l'autre. Le conflit francophone-arabophone, tel qu'il existe en Algérie, n'est pas si évident. Pourquoi? Alors, je Tu vais veux que je relire parce répète? que je vais juste relire la question parce qu'il y a eu un bruit. Donc, en Tunisie, un intellectuel peut passer aisément d'une culture. Voilà.
d'une langue à l'autre, le conflit francophone-arabophone tel qu'il existe en Algérie n'est pas si évident. Alors, détrompez-vous, il commence. En fait, ce problème n'existait pas avant, mais depuis quelques années, il y a un problème de ce genre. C'est-à-dire que des fois, mais pourquoi vous utilisez. On m'a pas posé, on n'ose peut-être pas me poser la question à moi de cette façon, mais je l'ai vu plusieurs fois, par exemple, en publiant quelque chose sur une page de bibliophiles arabophones tunisiens. On me dit, mais pourquoi vous écrivez en français? C'est une Pourquoi question vous. qui revient assez souvent d'ailleurs. Voilà. Et ce n'est pas uniquement au niveau des. En fait, tu permets, ce n'est pas toujours au niveau, je dirais, des écrivains, des romanciers ou bien des poètes. C'est une question aussi qui revient assez souvent sur les réseaux sociaux, dehors, je ne sais pas, dans les transports en commun, dans les cafés. C'est-à-dire qu'il y a ce complexe-là à aborder la question de l'usage des langues dans une communauté. Et cela, justement, je renchéris sur la question, est-ce que cela peut justement amener une forme, je dirais, de métamorphose, je dirais, sociolinguistique, c'est-à-dire au niveau de la société et du langage à la fois? Est-ce que cela peut apporter du bien quand on écrit ou bien, au contraire, cela va causer du tort à l'écrivain, quand on le confronte justement à cette, je dirais, dichotomie de francophone ou d'arabophone, ou à cette dualité. Alors, moi, personnellement, ça ne me dérange pas beaucoup. Bien sûr, ça me touche quelque part qu'on me fasse une remarque désobligeante de ce genre, parce que je la trouve complètement déplacée, cette remarque. Et parce que aussi, je pense que, en fait, ces gens-là se cachent derrière ceux qui nous reprochent ou me reprochent d'écrire en français. Je pense qu'ils ont de véritables problèmes. Pourquoi? J'explique. Ils se cachent derrière la question identitaire. Comme quoi, eux, ils sont arabes et fiers de leur appartenance et de leurs origines et quoi, je sais pas quoi. Et les Français, c'était des envahis, c'était des colons, et qu'il fallait pas parler la langue de l'ennemi, qu'on ferait mieux de parler en arabe. Pour moi, ce sont des prétextes, ce sont des excuses fallacieuses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et pour moi, les personnes qui posent ce genre de questions, pourquoi vous écrivez en français et pas en arabe, ça ne prouve qu'une chose, le fait qu'ils ne maîtrisent pas la langue française, simplement. Parce Moi, je que suis s'ils tout la à fait d'accord là-dessus. voilà, parce que s'ils la Oui, maîtrisaient, continue. ils n'auraient pas posé la question. Voilà. Donc pour moi, même la langue de l'ennemi, hein, si jamais il y a ennemi, il faudrait justement la maîtriser, pouvoir comprendre les rouages. Si jamais on parle d'ennemis. Mais là, il n'y a ni amis ni ennemis. La guerre, elle est loin derrière nous. La Tunisie n'est plus colonisée. L'Algérie n'est plus colonisée non plus. Et nous, on a cette richesse de pouvoir pratiquer, s'expliquer, écrire dans deux langues. Donc, pourquoi pas? Si moi, je suis plus à l'aise en écrivant en français. Bah, celui qui a envie de me lire, il n'a qu'à me lire, et si celui qui n'a pas envie de me lire, il n'a qu'à me zapper. Mais il n'a pas le droit de me juger. Voilà, simplement. Parce que moi, je pourrais le juger aussi par la même occasion et dire que lui, il ne sait pas parler des langues. Et que c'est une. Je trouve ça, le fait de ne pas parler des langues à notre époque. Déjà, moi, je trouve que je ne parle pas assez de langues. Il y en a qui parlent 7, 8, 9, 10 langues. Ça, c'est une Espagnol, véritable anglais, richesse. russe, Voilà, chinois aujourd'hui aussi avec la conjoncture actuelle. Moi j'aimerais exactement. aussi, j'aurais une réponse aussi brève, bien évidemment, à une réponse à cette question que l'on vient de soulever entre cette dualité entre arabophone et francophone. Et justement, parce que la question sous-entendait qu'il y avait une forme atténuée de cette dualité en Tunisie par rapport à l'Algérie. Alors, revenons d'abord je dirais, vers l'histoire et parlons un peu, je dirais, de l'impact qu'a eu la langue française sur nos deux sociétés respectives. Et moi, en tant qu'Algérien, toi, quand on est tunisienne, on vit ici, on le voit, on le sent, il y a ce mépris, il y a ce mépris de la langue française. On est à la fois, moi, je le pense sincèrement et j'en suis convaincu, on est à la fois maghrébin, on est à la fois nord-africain, on est à la fois universel, mais ce qui importe le plus, c'est qu'on soit humain.
Et donc, pour répondre à cette dualité arabophone-francophone, je dirais qu'elle existe dans notre espace commun, mais qu'il y a derrière une instrumentalisation et qu'il est inéluctable aujourd'hui de dissocier les idéologies des langues. Mais Exactement. crois-tu, ou est-ce pour autant on peut dissocier, par exemple, l'impérialisme européen de la langue française ou de l'anglais ou de l'espagnol que justement de ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dissocier le fait que cette langue soit à une époque, qu'elle soit à une époque ou qu'elle ait été à une époque en relation avec justement ces empires colonialistes. Est-ce qu'on peut dissocier ce fait du français d'aujourd'hui qui est utilisé de par le monde, de par la francophonie, de par évidemment la somme de lecteurs français et francophones de par le monde? Alors, je ne sais pas si on peut dissocier, mais pour moi, il faut dissocier. C'est-à-dire que ben, je pense qu'il faudrait aller au-delà de ces choses-là. Bien sûr, l'histoire est là, personne ne peut l'effacer. Il y a eu toute une histoire, il y a eu des morts, il y a eu des... Donc, on peut pas faire comme si cela n'avait pas existé. Mais je pense aussi que ceci ne nous empêche pas, ne peut pas nous empêcher de nous exprimer ou de créer dans ces langues-là. C'est-à-dire, le fait, ce n'est pas la langue elle-même qui la langue ne devrait pas porter le poids de cette histoire, je pense. Donc, moi, en tout cas, quand je communique en français, je n'ai pas cet historique en tête. Je communique en français parce que je pense que ça me permet une communication peut-être plus large que celle que je pourrais avoir uniquement en parlant en arabe. Il y a l'arabe, oui, ça m'ouvre les portes du monde arabe. Et après, est-ce qu'on est obligé de se fermer, de vivre confiné entre arabes? Non, il y a d'autres possibilités. Et voilà, le français me permet de m'exprimer avec d'autres, de communiquer avec d'autres, et puis de communiquer avec des Tunisiens francophones et des Algériens francophones et des Sénégalais francophones aussi par la même occasion. Donc voilà, il faut, à mon sens, il faudrait blanchir, déculpabiliser la langue. Ça, c'est mon point de vue. Après, à chacun le sien. Voilà. Et écrire pour moi, Wafa, apparemment il y a des coupures au niveau, voilà, ça s'est rétabli. Écrire pour moi, c'est un aboutissement. Et je crois que le Jasmin Noir en 2016 et sa parution dans la Maison du Livre tunisien fut une consécration pour toi au niveau intellectuel, pour toi au niveau littéraire, mais aussi pour toi en tant que femme. Et en tant que citoyenne universelle, citoyenne du monde. Et c'est à ce titre qu'on entame la deuxième partie de ce live, qui est dédiée spécialement au premier roman de Wafa Gorbel, paru en 2016, intitulé Le Jasmin Noir, et bien évidemment le tango de la déesse des dunes, qui est son second roman. Alors, en lisant Le Jasmin Noir, j'ai eu l'impression de te retrouver. J'ai eu l'impression aussi de m'éloigner de Wafa. J'ai eu aussi l'impression d'avoir affaire à une narratrice qui va dans la profondeur des choses, une narratrice qui explore des horizons infinis et qui aussi, à travers trois lettres, va explorer le meilleur comme le pire des aspects humains ou du ressenti. Tel que nous le connaissons et tel que nous le voyons quotidiennement chez les êtres qui nous sont proches, chez nos amis, mais aussi chez les êtres que l'on aime. Alors j'aimerais en premier lieu connaître les raisons qui t'ont, je dirais, pas poussé à écrire, mais les raisons qui ont fait que tu choisisses préliminairement une narratrice et que deuxièmement, tu sembles opter pour le récit ou le genre épistolaire qui n'en est pas un, mais en voyant ces trois lettres du Jasmin Noir, tout lecteur, ou bien moi personnellement, j'ai eu l'impression d'avoir affaire je dirais, au genre épistolaire. Qu'en penses-tu, Wafa?
Alors moi, au départ, quand j'avais écrit le livre et qu'il a été publié, quand on me disait que le roman était un roman épistolaire, je me braquais un peu. Donc ça me dérangeait un peu. Je ne sais pas si j'ai eu cette D'où la discussion avec question. toi. D'où la Voilà. question. Non, on n'a pas eu la question. On n'a On pas n'a échangé pas eu. là-dessus, mais je Oui. fais très attention à ce qu'on dit, j'irai sur toi ou à propos de toi ou à propos de tes écrits. Bien évidemment, tu es notre invité aujourd'hui. Et cette question revient assez souvent et j'ai opté pour la poser d'emblée, comme ça. Voilà. Donc, comme je t'ai dit, au départ, j'avais une sorte d'allergie du mot, de l'appellation roman épistolaire, parce que je pense que mes lettres ne sont pas réellement des lettres. C'était juste un prétexte pour. Ça ressemble plus à un journal intime qu'à des lettres. C'est-à-dire que la jeune femme n'a pas écrit des lettres qu'elle a mises à l'intérieur d'enveloppes et qu'elle a postées à la poste pour que ça arrive à son destinataire. Donc, ce n'est pas du tout le cas. Le destinataire ne lira jamais les lettres du personnage féminin, donc du jasmin noir. Et elle a écrit ces lettres, si elle les a écrites, c'était surtout comme un journal intime, quand je l'ai dit, une façon de faire une introspection. Voilà, c'était sa façon, la façon qu'elle a trouvée de déballer tout ce qu'elle avait sur le cœur. Mais avec du recul, donc depuis 2016, ça fait 4 ans quand même, j'ai pris du recul par rapport à cette histoire épistolaire. Et je me suis dit qu'on est quand même dans le genre épistolaire, puisque moi, j'avais choisi de les appeler des lettres. J'aurais pu choisir de les appeler juste des pages d'un journal intime. Mais si j'ai fait ce choix-là, c'est que ça avait un sens. Oui, c'est épistolaire. Mais c'est juste que c'est un épistolaire, un roman épistolaire qui n'obéit pas aux règles classiques du roman épistolaire. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de. Bon, disons que les lettres de Madame de Sévigné, c'était un roman entre guillemets épistolaire, mais des fois il y avait les réponses de sa fille. Mais dans le jasmin noir, il n'y a pas de réponse et on ne doit pas s'attendre à des réponses parce que ce qui compte, c'est ce qu'elle a écrit elle-même. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, c'est épistolaire, mais c'est un genre épistolaire qui échappe un peu à la norme, je pense, du roman épistolaire parce que ça s'apparente plus au journal intime. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à ta question ou pas. Et Donc, tu ça me réponds gêne parfaitement. maintenant. Oui. Qu'il s'agit d'un Oui, tu roman réponds. épistolaire. Je me suis habituée à l'appellation. Voilà, mais étant donné qu'il n'y ait pas de réponse de l'autre côté, de l'être chéri, de l'être que l'on aime, cela ne peut être répertorié comme étant, je dirais, un roman épistolaire. Mais justement, cette stratégie-là, d'écrire un journal intime. Elle ne s'adresse pas à l'être aimé. Normalement, si elle devait recevoir des lettres, ça ne devait pas venir de la part de l'être aimé, mais ça devait venir de la part de celui qui l'a bafoué, plutôt. Oui, je comprends, je comprends tout à fait, mais justement, quand tu parles d'être bafoué, il y a aussi cette déchirure, je dirais, anecdotique et qui est tout à fait palpable tout au long du Jasmin Noir. Et cette déchirure, elle est en nous, elle est en toi, elle est en tout humain. Et tu arrives justement aisément à aborder je dirais, cette thématique de la déchirure. Grâce à ton style, grâce à ton intertexte, grâce justement à l'écrit de cette narratrice que je dirais en détresse. Pourrais-tu, je dirais, orienter tes lecteurs algériens, maghrébins, tunisiens vers cette piste-là une autre fois, lors peut-être d'une prochaine parution? Ou bien est-ce que tu crois que, voilà, quand on accouche d'un roman, quand on le finit, quand on le travaille, on a des thèmes, je dirais, du moment, ou bien on a des thèmes qui nous tiennent à cœur et ça s'arrête là. Est-ce qu'il y aurait une forme de continuité aussi à travers, ta pensée en tant que romancière aujourd'hui?
par rapport au thème de la déchirure, par rapport à ce thème de la détresse. Oui, bah, je pense que la déchirure, le déchirement, la détresse, c'est des réseaux de sang. C'est justement à l'intérieur de la déchirure, à l'intérieur de ce mal que peut naître, que peut pousser la fleur. Hein, c'est les fleurs du mal, un peu de Baudelaire. Donc, et j'y crois énormément. Il y a un écrivain tunisien qui s'appelle Mahmoud Messadi qui dit. En arabe, je vais le dire, al-adabu ma'asetun awliyakun. S'il n'y a pas cette déchirure, s'il n'y a pas cette blessure à l'intérieur de l'être, je pense qu'on aurait du mal à créer, vraiment. Moi, j'ai du mal avec les choses joyeuses, j'ai du mal avec les chansons heureuses, j'ai du mal avec la littérature heureuse, avec les films heureux. Je trouve ça très plat, je trouve que ça manque de profondeur. Je trouve ça, le bonheur, on veut nous sommer avec cette histoire de la culture du bonheur, du développement, je ne sais pas quoi, personnel et tout. C'est très à la mode, c'est très en vogue. Oui, bien sûr, bah, je veux bien être heureuse, mais je pense que c'est... Quand je suis heureuse, je suis incapable de vraiment créer. Et je ne parle pas du bonheur, je parle de cette béatitude, de ce bonheur un peu niais, un peu bête, un peu stupide. Moi, ça me dérange. Voilà, le fait de dire que tout est rose et que tout est beau et que les oiseaux gazouillent et que le ciel est bleu, je trouve que ça n'a aucune profondeur. Et que ça ne peut pas, on ne peut pas faire de la bonne littérature avec de beaux sentiments de ce genre. Voilà, il faut vraiment. Moi, Donc, il j'ai fait faudrait. une thèse sur le mal, voilà, tu vois. J'ai fait une thèse sur le mal Voilà. et le mal, dans toutes ses dimensions, me parle beaucoup. Je pense que ça a une force, une énergie insoupçonnée, donc qui sort du mal, qui peut naître à l'intérieur du mal. Voilà. D'accord. Il y a Madame Samia Mofar qui revient sur la question du genre ou bien de la littérature maghrébine que je t'avais posé tout à l'heure. Alors, qui dit, en réalité, j'ai posé la question. Le jasmin noir, que vous êtes beaucoup plus influencé par l'écriture du nouveau roman, qui se voit à partir du choix de l'anonymat pour le personnage principal, l'intertextualité et l'éclatement du genre qui rend inclassable votre roman. Que peux-tu dire là-dessus? Donc je reprends, c'est une forme, je dirais, de lien avec le nouveau roman, mais aussi les choix par rapport à l'anonymat du personnage, l'intertextualité et l'éclatement du genre qui rend tes romans inclassables. Alors, elle a parlé du nouveau roman, là. Oui. J'aimerais préciser qu'à l'époque où j'avais commencé à écrire mon roman, mon premier roman, hein, je précise que j'ai écrit Le Jasmin Noir entre 2003 et 2008. Je l'ai publié en 2016, j'ai mis 8 ans à me décider à le publier, mais j'ai écrit donc juste après. À la fin de ma thèse, voilà, j'avais commencé à écrire et j'avais pas encore lu de nouveaux romans. Pour moi, c'était une notion comme ça, mais ça n'avait pas. Après, bien après, j'ai compris ce que c'est que le nouveau roman et j'ai lu des textes qui appartiennent à ce qu'on appelle le nouveau roman. Mais à l'époque où j'avais écrit le Jasmin Noir, je savais pas, je n'avais que des noms en tête, hein, du genre Duras, Alain Robbe Crié, ou comme ça, Nathalie Sarraute. Mais sinon, je connaissais pas vraiment. Cette littérature-là. C'était complètement inconnu de moi. Voilà, pour revenir à cet éclatement. Donc, je commençais à écrire Le Jasmin Noir à la fin de ma thèse. Donc, j'avais baigné dans du Georges Bataille de 1999 à 2004. Je n'ai fait que lire Bataille. Lui, c'est le chef de l'éclatement, de l'écriture blanche, de la tempête blanche,
De l'écriture du silence, de l'hécatombe des mots, de l'holocauste des mots. C'est lui-même qui utilise ces appellations. Et donc, forcément, ça m'a marqué de façon indélébile. C'est-à-dire que juste après ce travail, de plusieurs années, ce travail de longue haleine sur Georges Bataille, je ne pouvais pas échapper à son influence sur mon style. Donc, forcément, Bataille m'a énormément nourri de cette écriture et j'ai quelque part ce n'est pas d'imitation parce que le style donc l'écriture de Bataille est complètement différente, ces sujets sont différents, mais sur le plan du style, de la typographie il y a vraiment des marques donc Bataille m'a complètement marqué. Donc c'est ce qui explique cette écriture éclatée. Pour l'absence du nom, c'était pas parce que j'imitais un écrivain des prénoms des personnages, parce que pour les gens qui nous écoutent, les personnages principaux de mes romans n'ont pas de nom. Donc, aussi bien dans le Togo que dans le Jasmin, Madame ils n'ont Wafat pas venait de le soulever d'ailleurs, à partir de sa lecture du Jasmin Noir, elle venait de le dire parlant de l'anonymat. Moi j'aimerais, est-ce que ce fut un choix, c'est venu comme ça, ou bien justement, tu parlais d'inspiration. Vraisemblablement, tu n'avais pas, je dirais, d'influence là-dessus, mais comment as-tu opté pour l'anonymat ou pour dresser en filigrane une narratrice qui ne porte pas, je dirais, d'identité. Si, elle a une Moi, je pense. identité, mais justement, c'est par Oui, rapport. je pense que le fait qu'elle n'ait pas de nom, ça permet au lecteur de s'identifier complètement. C'est-à-dire que ça pourrait être toi, ça pourrait être moi, ça pourrait être n'importe quelle autre femme et même que n'importe quel garçon, parce qu'on peut plus aisément peut-être s'identifier quand il n'y a pas de nom. Et j'avais commencé par le personnage principal qui parle, donc il n'avait pas vraiment besoin de dire son nom. Et après, j'ai trouvé l'idée intéressante au fur et à mesure de l'écriture de ne pas donner des noms aux personnages, parce que ce qui compte plus, c'est leur fonction dans le récit, c'est le rôle qu'ils jouent que l'étiquette. Parce que finalement, personne ne choisit son prénom. Ce sont nos parents qui nous imposent nos propres prénoms. Et moi, je voulais quelque part qu'ils créent leur propre destin tout seuls. Donc, en fonction de leur destinée, en fonction de leur vécu. Et cette idée de ne pas donner de prénom à mes personnages, j'ai trouvé ça amusant en fait. C'est amusant, mais ça a un sens certainement. C'est-à-dire que je l'ai pas fait uniquement pour m'amuser, mais j'ai trouvé ça, le fait de ne pas saisir vraiment le personnage, de le connaître, mais de ne pas savoir lui donner un nom, de ne pas savoir l'identifier. Moi, je sais pas, je trouve aussi que ça permet de donner aussi au personnage quelque part une dimension universelle, de ne pas l'attacher ou le rattacher à un contexte, comment dire, géographique particulier, parce que finalement, l'histoire de cette fille, elle aurait pu avoir lieu dans n'importe quel pays. Ce n'est pas le propre de la Tunisie que ce genre d'histoire, c'est-à-dire que moi, j'ai eu des témoignages d'un peu partout dans le monde de personnes qui ont vécu une expérience qui ressemble à celle de mon personnage, y compris des hommes. Donc voilà, c'était peut-être pour cette raison que j'avais pas donné de prénom à mes personnages, mais ils finiront peut-être par trouver des prénoms à la fin de ce parcours. Tu verras. Bien évidemment, bien évidemment. Parlons maintenant, Wafa, de marché du livre. Bon, le marché du livre aujourd'hui, dans un monde post-Covid-19, peut-être on est dans la Covid-20, qui sait, mais parlons un peu de marché du livre et du Jasmin Noir, paru en 2016. Et il y a une internaute qui est une doctorante à l'université de Bouzaria d'Alger qui te dit: Bonsoir madame, j'ai une question. J'ai une question pour vous. Je te vois Que plus, hein. Je apparemment, il y a un petit souci. Je ne sais sais pas pas ce qui pourquoi. s'est passé. Là, c'est un shutdown. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais je vais te lire quand même la question en attendant de régler le petit souci. Alors, c'est Nour Houda qui te dit: Bonsoir madame, j'ai une question pour vous. Que pensez-vous du marché du livre au Maghreb? Ne croyez-vous pas que l'écrivain devient marchand du verbe? Il écrit
pour vendre? Je sais que c'est une question qui ne porte pas sur, je dirais, sur le jasmin noir, mais sur le marché du livre. Et j'ai voulu faire la jonction avec l'apparition du jasmin noir. Est-ce que justement, je ne le crois pas, mais est-ce qu'un écrivain, est-ce qu'un auteur peut justement écrire pour se faire vendre? Oui, bien sûr, il peut écrire pour se faire vendre, mais bien sûr, ce n'est pas mon cas. Sinon, j'aurais été bien plus connue et sinon, ça aurait été différent. C'est-à-dire que les sujets que j'aborde, la façon dont j'écris, c'est pas ce qu'il y a de plus populaire. C'est pas ce qu'il y a de plus, je pense, comment on dit, vendeur, voilà. C'est pas ce qu'il y a de plus commercial et de plus vendeur. Donc pour moi la question elle se pose pas hein, dans mon cas à moi hein, j'entends la question elle se pose pas parce que parce que ce que j'écris n'est pas du tout commercial. Je n'écris pas beaucoup de livres. De 2003 à 2020 je n'ai écrit que deux livres dont trois livres dont le troisième est une traduction de mon propre livre français en arabe. Donc, on ne peut pas vraiment parler d'une grosse production de quelqu'un qui aligne les mots juste pour vendre. Et puis, pour qui vendre, hein? Pour qu'il y ait vraiment beaucoup de ventes, il faut qu'il y ait beaucoup de lecteurs. Est-ce que le monde arabe lit? Est-ce que les Tunisiens lisent? Est-ce que les Algériens lisent? Donc, c'est ça la question. Il y Donc, a un problème aujourd'hui. Oui, il y a un problème aujourd'hui au niveau du lectorat, justement le lectorat maghrébin, nord-africain, mais aussi par-delà l'Afrique, je dirais en Asie, en Europe, en Amérique et partout ailleurs, on ne lit plus. Alors, que penses-tu de ta Wafa? Est-ce que tu crois beaucoup plus à cette technologie envahissante, ou bien est-ce qu'on a perdu ces valeurs, la valeur du livre Qu'en penses-tu? Est-ce qu'on a perdu cette valeur-là du livre, la télévision aujourd'hui, Internet, etc., etc., ont pris la place de ce livre à l'heure du numérique où le livre peut justement être partagé, diffusé ou acheté via Internet? alors, le livre, il peut encore être lu, il peut encore être vendu, mais le seul problème, c'est qu'il faudrait que les éditeurs aussi aient l'intelligence de s'adapter un peu à l'époque. Donc, le livre est un produit comme n'importe quel autre produit, c'est un produit qu'on achète, qui se vend. Donc, il faudrait trouver le moyen de le rendre alléchant, de donner sur le plan, en tant qu'objet, je veux dire. De bien l'exposer, de savoir le vendre aussi sur Internet, de savoir de faire des teasers, des bandes annonces, de bien travailler la couverture. Donc, tout ça est très important et je pense que nos éditeurs, en général, n'ont pas bien compris, n'ont pas encore su comment concurrencer ce qui se passe ailleurs. Oui, bien sûr qu'il y a des problèmes dans le monde, pas uniquement dans le monde arabe ou dans le Maghreb par rapport aux livres, parce que, et maintenant, les gens, ils passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, maintenant, ils ont la télé, pas une seule télé comme à l'époque ou deux, parabole, t'as 200 ou 300 chaînes, voire plus sur ta télé, donc on a l'embarras du choix, t'as Netflix, il y a beaucoup de choses, beaucoup de comment dire, d'éléments comment dire, chronophages, voilà, dans notre société qui bouffent le temps, qui nous mangent notre temps et nous laissent pas vraiment le temps de lire. Toutefois, il y a toujours un moyen de pousser les jeunes. Il faudrait initier surtout les jeunes, les plus jeunes, à lire pour avoir voilà pour qu'il y ait un avenir pour les écrivains, pour le marché du livre, pour le livre et pour la culture, parce que qui dit livre dit culture, hein. Ce n'est pas juste ce n'est pas n'importe quel objet, c'est un objet précieux et je pense que ça explique un peu le retard sur le plan culturel, cette absence, comment dire, je trouve plus mon mot, cette façon qu'on a d'abandonner, hein, tu es là, d'abandonner la lecture. Moi, il y a quelques années, j'avais lu dans un sondage sur Internet qu'en Tunisie, il n'y avait que 70%, non, il y avait 70% des Tunisiens n'avaient jamais lu de livre de leur vie, à part le Coran. Mais ça, encore faut-il Donc, savoir c'est des comment. chiffres,
C'est des chiffres qui laissent tout un chacun perplexe, notamment quand le phénomène, je dirais, quand le phénomène s'intronise au niveau même de nos universités, car nous devons le dire aussi aujourd'hui, nos universitaires ne lisent plus. Moi, je ne suis pas encore enseignant à l'université, tu es plus expérimenté pour moi de le dire. Pour le dire, pour en parler. Mais quand j'ai fait de la vacation à Skikda, dans ma ville, j'ai eu à enseigner les premières et deuxièmes années et je commençais toujours, je dirais du moins ma séance introductive ou la première séance, je posais toujours la question à mes étudiantes et à mes étudiants, combien de livres avez-vous lu? Lisez-vous souvent? Avez-vous cette. Je dirais amour envers la langue. Vous arrive-t-il de prendre simplement un roman ou de lire simplement un journal, je sais pas, dans le métro, dans les trains, dans les transports en commun? Donc, ce phénomène est aussi au niveau de l'université. Oui, bien sûr, oui. Moi, ça m'arrive d'avoir des étudiants qui ont des œuvres au programme sur lesquelles ils vont passer des examens et qui n'ont pas lu, qui ne lisent pas. Donc, ils refusent de lire. Donc, ils passent un examen en lisant comment dire, des explications comme ça, qui dénichent, qu'ils trouvent sur Internet, ou en lisant le profil d'œuvre, mais ils ne lisent pas l'œuvre programmée. Donc, c'est des francisants, hein, attention. Donc, que dire des autres qui ne sont pas spécialistes et qui n'ont pas cette obligation de lire? Oui, c'est un véritable problème, mais en même temps, le livre, il a évolué. Maintenant, on peut télécharger le livre et le lire sur son ordinateur, sur sa liseuse. Donc, On peut même y aller. il y a Oui, plus il y a de des livres facilité pour lire, c'est plus accessible via les audio. plateformes, via aussi Facebook. Moi-même, je tombe Oui. assez souvent sur des œuvres. Bon, Bien on sûr. va écorcher un peu les droits d'auteur, mais on tombe sur des livres assez souvent au niveau de groupes, de pages. Donc, il y a vraiment de la matière, quoi. On peut Il y a de la matière, télécharger un livre, oui. on peut prendre son pied, disons-le comme ça, en lisant un livre, aussi bien en version papier qu'en version électronique. Alors, une toute autre question de la part de Midoun Messaoud, qui te dit, que pouvez-vous dire de vos lecteurs francophones et arabophones en matière de critique et de réflexion? Si on vous demande de faire une petite comparaison, alors par rapport aux lecteurs arabophones et francophones en matière de critique et de réflexion. Donc, tu vois que cette question arabophone, francophone va revenir tout au long de la soirée. Je n'ai pas bien saisi la question. Attends, je vais la lire. Que vous pouvez-vous dire de vos lecteurs francophones et arabophones en matière de critique et de réflexion? C'est-à-dire que moi, je vais juger mes lecteurs? C'est dans ce sens? Est-ce que tes lecteurs francophones, je dirais, c'est de là J'ai qu'émane compris. une véritable réflexion, un véritable débat. C'est là que le jasmin noir ou le tango de la déesse des dunes suscite beaucoup plus d'intérêt. Ou bien c'est de la part de vos lecteurs arabophones. Sachant qu'un lecteur arabophone peut aussi, je dirais, s'initier à la langue française ou bien lire les deux versions quand on maîtrise les deux langues à la fois. Est-ce que Alors, tu as, je dirais, d'un point de vue du point de vue de la critique, tu penches beaucoup plus vers les critiques de tes lecteurs francophones ou bien évidemment pour les autres lecteurs dits ou nommés arabophones. Qu'en penses-tu au fait? alors, moi, j'ai eu beaucoup plus affaire à mes lecteurs francophones qu'à mes lecteurs arabophones. Et même parmi mes lecteurs qui m'ont lu en arabe, il y en a beaucoup qui m'ont déjà lu en français et qui sont quand même francophones, donc à la fois bilingues, simplement. L'un Parce n'empêche que, pas l'autre, alors. voilà, parce qu'ils m'ont lu en français, ils ont aimé le livre, ils avaient envie de le découvrir en arabe, ou alors ils voulaient voir si j'avais bien traduit, ou alors ils ont tellement aimé le livre qu'ils ont voulu le lire dans une autre langue. Donc, parmi mes lecteurs qui m'ont lu en arabe, il y en a beaucoup qui sont francophones quand même.
Mais j'ai beaucoup plus eu affaire dans ce genre de discussion, dans ce genre de présentation qu'on fait ce soir. J'ai beaucoup plus eu affaire à des francophones qu'à des arabophones, hein, beaucoup plus. Ou alors des bilingues, hein, parmi, parce qu'il peut y avoir les deux en Donc, tu es même clair temps. là-dessus, c'est la réflexion, elle était beaucoup plus, ou elle émanait beaucoup plus des lecteurs Oui, francophones parce que des que lecteurs les gens, ils m'ont arabophones. connu. Oui, les gens, ils m'ont plus connue en tant qu'écrivain ou qu'écrivaine francophone. Donc, du coup, même ceux qui m'ont suivi en arabe, pour la plupart, c'est des francophones quand même. Bien sûr, il y a des arabophones également qui commencent à me suivre. Et je n'ai pas de préférence vis-à-vis de la critique. Je trouve que c'est aussi intéressant du côté Une francophone critique, que ça du reste une côté critique. arabophone. Le but ou l'enjeu, Voilà, j'ai. c'est qu'elle soit fondée et qu'elle porte sur des aspects de ton œuvre, de tes œuvres, mais beaucoup plus qu'elle soit, je dirais, élaborée sur des bases de scientificité, sur des bases scientifiques selon une certaine méthodologie. Mais on peut aussi, moi je l'ai vu assez souvent, parce que je te suis de très près. J'ai vu aussi des critiques dans des journaux de Tunisie. J'ai vu aussi ton passage à France 24 où on t'avait posé la question justement sur, bien évidemment, sur ton parcours musical, mais aussi sur ton parcours littéraire. Je crois aussi que quand on écrit quelque part, c'est rejoindre à la fois, non pas. Je dirais, cette vision scindée en deux entre arabophone et francophone, quand on écrit, c'est pour tout le monde. C'est pour Exactement. l'univers, c'est pour toucher un maximum de personnes. Et je reviens sur le fait de vendre aussi. Moi, je n'ai pas cette impression-là quand je lis ou quand je rencontre des écrivains, des auteurs. Je n'ai pas eu aussi cette impression avec toi parce que je. Disons-le comme ça, tu es indépendante, d'accord? Tu travailles et c'est Oui. beaucoup plus ton âme qui s'exprime, d'accord? À travers ces romans. Et il y a Mademoiselle Nourlhoudé qui revient encore sur le fait de lire ou de ne pas lire aujourd'hui et qui te dit, je crois qu'on ne lit plus car le livre a perdu son âme. C'est des sujets redondants. On ne lit plus car le livre n'a plus rien à dire. Partages-tu Non, cette du tout. position? Le livre a-t-il vraiment Non. aujourd'hui rien à dire? Pourtant, Non. on voit des Il y a livres toujours des choses à dire. quotidiennement. Il y a toujours, je pense, je suis désolée, mademoiselle ou madame, je ne partage absolument pas votre point de vue. Moi, j'arrête pas de lire des livres extrêmement intéressants, extrêmement beaux, que ce soit par des francophones ou des français ou des arabophones ou peu importe la langue. Et je pense que les sujets ne s'épuisent jamais. Et puis, la littérature, c'est aussi de dire la même. C'est comme la chanson, en fait. On peut toujours parler d'amour, on peut toujours parler de trahison, on peut toujours parler critiquer la société, mais le tout n'est pas de le dire, c'est la façon de le dire aussi qui change d'un écrivain à l'autre. Chacun va dire ce même sujet, va l'aborder à partir de son propre point de vue et ça donnerait une écriture complètement différente. Donc moi, je n'y crois pas du tout. Le livre ne s'épuise pas tant qu'il y a des humains, tant que les humains sont différents. Leurs empreintes sont différentes, leur façon de penser, de voir les choses est différente. Le livre ne peut jamais s'épuiser. Je ne sais pas, par exemple, si vous lisez Amin Maalouf, par exemple, un livre qui m'a beaucoup marqué, Les Désorientés. Comment est-ce qu'on peut dire que ce livre n'a pas d'âme, par exemple? Si vous lisez Sekh El-Bambou de Saoud Sanaoussi, par exemple, qui est un Koweïtien, qui a créé un livre magnifique, un gros pavé comme ça, qui a eu le prix Booker, c'est magnifique, on ne peut pas dire que ça n'a pas d'âme, il n'y a que ça, c'est une âme sur deux pieds. Non, je suis pas du tout d'accord, et je pense que celui qui veut chercher la beauté, il peut la trouver. Il faut se diversifier, il faut lire ce qui s'écrit aujourd'hui. Il y a tellement de nouveaux écrivains, il y a tellement de. Bien sûr, il y a du bon, il y a du mauvais. C'est à nous de lire et de faire notre choix. Et je ne suis pas d'accord du tout. Voilà. D'accord.
D'accord là-dessus. Il y a aussi, il y a aussi, je sais qu'on s'écarte un peu du jasmin noir, mais on se doit aussi, Wafa, si tu partages mon avis, de répondre à nos internautes qui sont avides de te connaître et qui sont aussi, disons-le comme ça, aux aguets. Parfois, on t'adresse quelques questions qui te titillent un peu, quelques questions qui vont peut-être beaucoup plus vers des aspects. Je dirais pas non littéraire, mais qui touche aussi, je dirais, à la réalité du fait que l'on soit romancier, romancière, et que l'on soit aussi exposé assez souvent à ce genre de critiques. Alors, il y a Monsieur Mohamed Boussalta, qui est un ami, qui est un doctorant algérien, qui, en parlant des écrivains maghrébins, postule pour ou dit que c'est une triste réalité ou un triste constat. Plusieurs écrivains maghrébins s'adresse beaucoup plus à un lectorat français, étant donné que les Maghrébins ne lisent pas. Ainsi, les sujets qu'ils abordent dans leurs livres ne sont qu'une reproduction d'un discours francocentriste sur le Maghreb. Pour se faire publier en France, être invité dans les plateaux télévisés ou même être nominé pour un éventuel prix, ce genre d'écrivain patine dans un commerce qui se vend bien en Occident. Bon, il y a certainement beaucoup de vrai dans ce que dit monsieur, hein. C'est pas complètement faux. Il y en a certainement qui écrivent pour être lus en France, pour être publiés en France, parce que ça rapporte plus, parce que ça se vend mieux, parce que les lecteurs, comme il a si bien dit, les Maghrébins ne lisent pas et que les Français, par exemple, lisent beaucoup plus. Et puis, quand on parle d'un public francophone, il n'y a pas que les Français, hein. Il y a l'Afrique, il y a le Québec et il y a plein de pays dans le monde qui sont francophones. Donc, c'est un lectorat très large. Donc, ce n'est pas faux ce qu'il dit, seulement ça ne s'applique pas à tout le monde. Oui, moi, je veux bien publier mes livres en France pour avoir plus de lecteurs et pour avoir un lectorat différent surtout. Donc, je veux bien publier en coédition, par exemple. Ça m'intéresserait beaucoup de publier ici et ailleurs en même temps. On en a parlé l'autre jour, publier en Algérie et en Tunisie en même temps, publier en France et en Tunisie. Mais je veux continuer quand même à publier en Tunisie pour qu'il y ait mes lecteurs tunisiens qui sont déjà fidèles à moi, qui suivent ce que je fais et qui s'intéressent aux sujets que j'aborde parce que c'est des sujets qui leur parlent. Donc, moi, je n'écris ni en fonction d'un lecteur tunisien, ni en fonction d'un lecteur maghrébin, ni en fonction d'un lecteur français, pour être clair. Moi, quand j'écris, je n'ai pas écrit pour publier. J'écris pour moi d'abord. C'est ce qui explique le retard de ma publication, parce que je ne savais pas trop, c'était tellement intime que je ne savais pas trop s'il fallait le publier ou pas. J'avais peur d'être lynchée, parce que j'aborde des sujets très, très, voilà, très graves, on peut le dire ainsi. Et donc, je ne savais pas comment le public allait me recevoir, comment on allait. Il y avait beaucoup de censure à l'époque où j'avais écrit. Je n'avais pas osé adresser mes livres à la Tunisie, mais en même temps à des éditeurs tunisiens. Mais en même temps, je ne savais pas si ça intéresserait les Français que de lire ces choses qui sont très tunisiennes aussi, même si une partie du roman. De mes deux romans se passent en France, ça parle quand même d'une Tunisienne qui a cette identité double, et j'insiste sur cette identité double. Donc, moi, quand j'écris, j'étais pas du tout dans cette démarche. Je pensais plutôt à mon besoin d'écrire et à ce que j'avais moi-même envie d'écrire. J'avais besoin d'écrire indépendamment de tout lecteur, qu'il soit tunisien, marocain, algérien, ou qu'ils viennent des États-Unis ou de France, je n'avais vraiment pas le souci du lecteur, voilà, dans ma tête. Après, je sais que ce n'est pas la démarche de tout le monde. Bien sûr que tous, on a envie d'être lus partout. Bien sûr, plus on est bon écrivain, plus ça pourrait intéresser donc tout sortes de lecteurs et puis il y a des traductions. Le jasmin noir, il a été traduit en anglais aux États-Unis et normalement il va sortir en 2021. Il a été également traduit en espagnol, je sais pas encore s'il paraîtra au Mexique ou en Espagne. Bien sûr, plus on Donc, il y a a une des lecteurs. large diffusion, disons-le comme ça. Il y a une large Oui. diffusion.
Il n'est pas encore diffusé comme je le veux, mais je suis en train d'œuvrer pour cela et on ne peut pas me reprocher. D'abord, ça ne rapporte rien. J'explique une chose à monsieur qui a posé la question, que le marché du livre n'apporte quasiment rien à l'écrivain, à moins d'être un écrivain qui vend énormément de livres et qui écrit énormément de livres et qui a signé avec une grosse maison d'édition du genre Zeuil, Gallimard, je ne sais pas quelle édition, vous voyez Minuit, ce genre de grosses maisons d'édition qui sont des machines. Mais sinon, si on écrit un livre tous les 2 ou tous les 3 ans pour le publier en Tunisie, et voilà, ça, même si maintenant, moi, mon livre se vend aux États-Unis et ce qui se vend en Espagne, est-ce que vous pensez que je gagnerai grand-chose? D'abord, l'écrivain, généralement, il n'a pas les droits sur les autres langues. Voilà, généralement, c'est l'éditeur qui a les droits sur les langues, généralement. À moins qu'il y ait des accords entre l'écrivain et le lecteur. Donc, est-ce que vous pensez que le livre apporte quelque chose à l'écrivain? Rien du tout. On Donc, écrit pour la gloire et pour le plaisir, hein. Donc, pensez pas qu'on devient riche en écrivant des livres, en les vendant, même si on publie en France, à moins d'être un serais-tu grand. d'accord? Serais-tu d'accord, Wafa, pour dire à ton lectorat, aussi bien tunisien, marocain, algérien, africain, européen de par le monde, que la valeur marchande d'un écrivain est ou se situe au niveau de sa pensée et non pas. C'est-à-dire au niveau des bénéfices, vu que les maisons d'édition que je qualifierais parfois de prédatrices sont justement à l'affût au sujet justement des droits d'auteur. Penses-tu justement et à ce titre que la valeur marchande d'un écrivain soit uniquement sa pensée? Oui, je le pense entièrement, oui. Parce que ça n'apporte rien, c'est-à-dire que des fois on est perdant même en publiant un livre parce qu'on doit se déplacer, partir en voyage pour aller le présenter ici et là, des fois on vend pas grand-chose, et puis même si on vend, nous on a un 10%, on les prend généralement sous forme de livres et pas sous forme d'argent, parce que ce qui compte pour nous, et c'est des livres qu'on offre, donc on gagne vraiment quasiment rien, hein. Donc il faut vraiment comprendre un peu comment ça se passe et rentrer dans les rouages pour comprendre que l'écrivain il gagne quasiment rien, à moins de devenir Marguerite Duras pour vendre des millions de livres à travers le monde. Là, c'est différent. Mais quand on est un petit écrivain comme moi qui fait avec les moyens du bord et qui est publié chez une petite maison d'édition aussi tunisienne, petite, je veux pas dire petite, c'est-à-dire qui n'a pas de valeur, mais je veux dire qu'aussi les éditeurs eux-mêmes, ils ont du mal aussi. Donc les prédateurs, ils sont peut-être ailleurs, mais dans un pays comme la Tunisie, eux aussi, ils ont du mal à survivre, les éditeurs, en l'absence de lecteurs, en l'absence de subventions, avec la valeur du dinar tunisien qui est en chute permanente, le papier qui vient d'étranger, le meilleur papier, par exemple, c'est tellement difficile aussi. Surtout qu'avec le confinement Exactement. et justement l'apparition de ce satané virus, il y a eu un chamboulement de la scène littéraire, mais pas que. Et cela affecte grandement aujourd'hui toute production littéraire et les maisons d'édition, mais aussi, je dirais, les romanciers, les poètes et tous les artistes d'une façon générale. Alors, si tu permets, Wafa, nous Oui. passons à ta deuxième parution, à ton deuxième roman, Le Tango de la Déesse des Dunes, roman qui est une suite indépendante du Jasmin Noir, paru également à la Maison tunisienne du livre, première édition 2017. Et j'aimerais directement entamer ton second roman en lisant la première lettre qui débute page 39 du Tango de la Déesse, tes pages et ma page. Alors j'invite nos lecteurs à nous suivre. Je vais lire un passage du Tango de la Déesse, deuxième roman de l'écrivaine tunisienne Wafa Gorbel. Tes pages et ma rage. Dans cette histoire que je vais essayer de coucher, il n'y aura que toi et moi. Toi en moi, toi par moi. Dans cette histoire,
Il n'y aura que moi, parce que toi n'es que moi. Toi n'existe pas en dehors de moi. Dans cette histoire, il n'y aura que toi, parce que moi n'ai que néant en dehors de toi. Sans toi, je suis toi, donc je suis moi. Les autres personnages ne sont qu'accessoires, spectres flottants dans l'ombre noire de mes doutes. Toi es ma seule certitude dans un monde d'affabulation. Tout le reste n'est que doute, y compris cette histoire qui n'en est pas vraiment une. Je referme le livre et je passe directement, parce que cela a du sens, à la quatrième de couverture du tango de la déesse des dunes. Les mots peuvent-ils réunir de nouveau deux existences éperdument perdues? C'est le pari que fait un jeune Parisien en adressant trois lettres à une mystérieuse Tunisienne dont il s'est séparé et qu'il continue d'aimer fiévreusement, en dépit de la distance spatiale, temporelle, culturelle. Il répond dans ses missives passionnées à un livre que celle-ci venait de publier et dans lequel elle a tenté de romancer leur histoire a priori achevée. À son tour de réinventer cette même histoire, de la redire comme si elle n'avait jamais été racontée. De continent en continent, de passion en passion, de rythme en mélodie, un tango vertigineux emporte chacun des partenaires vers les lieux les plus insoupçonnés de son être. Fin. Cela te fait quoi d'entendre Wafa ta lecture et cela te fait quoi aussi de passer à autre chose à travers la publication du Tango de la Déesse en 2017? Bah, je suis passée à autre chose, mais je ne suis pas complètement passée à autre chose, puisque je redis encore la même Je parlais en histoire. termes de parution, c'est-à-dire passer à autre chose, c'est de se faire publier une deuxième fois, c'est de refaire, de réécrire quelques passages à nouveau, de réécrire à nouveau, de faire un travail justement dans le cadre de ce deuxième roman qui, pour rappel, est une suite indépendante en Jasmin Noir. Oui, bon, c'est, Et je je sais pas. reviendrai bien évidemment après sur le je dirais, les thèmes qui reviennent. Je dirais, ou qui sont en relation entre le jasmin noir et le tango de la déesse des dunes. Oui, bah, ça me fait très plaisir de l'écouter. Puis j'ai l'impression que c'est pas moi qui les ai écrits ces lignes. C'est tellement loin. Bah, ça remonte à 2016-2017. Donc pour moi, c'est loin et donc ça me fait plaisir d'entendre ça comme si ça venait de quelqu'un d'autre que moi. Je sais pas quoi le sentiment, c'est bah, j'ai toujours la même envie d'écrire, de continuer à écrire. Et puis j'ai aussi, à part l'écriture, il y a ce contact avec les lecteurs qui est très intéressant et qui donne une dimension différente au livre, parce que il y a le livre et puis il y a ce qu'il y a après le livre, parce que le livre il nous échappe un peu à un moment donné, et heureusement qu'il y a ces rencontres littéraires. Ben maintenant elles sont virtuelles, mais avant le Covid virus oblige, c'était mais aussi déplacé. l'espace-temps. Oui, je me déplaçais dans les lycées, dans les universités, je me déplaçais dans les groupes donc quand on m'invite dans les groupes de lecture, dans les événements, j'étais là tout le temps, comme là ce soir avec vous, à parler de mes livres, à répondre aux questions des lecteurs, à écouter des choses intimes, des fois qui font écho dans leur vie à ce qu'ont vécu mes personnages, et je trouve ça extraordinaire. Ça permet de donner une deuxième vie au livre. Oui, l'écrivain, son rôle est d'écrire. Le livre, il lui échappe, mais ça permet aussi, ça me donne sur le plan personnel, je ne sais pas comment dire, ça enrichit vraiment ma vie. À part le fait d'écrire, le fait d'aller à la rencontre de ces gens qui me lisent et qui me font découvrir mon Il y a une livre question sous un justement. autre jour. Oui.
Pardon de Vas-y. t'interrompre, mais il y a une question qui pourrait t'intéresser, vu qu'elle est en relation avec ce que tu viens de dire à l'instant. Alors, c'est toujours Nour el-Huda, par le biais d'une autre, je dirais, d'une autre question. Madame, l'écriture qu'a-t-elle pu vous ajouter en tant que femme, femme tunisienne, femme maghrébine? C'est-à-dire, M'ajouter. moi, je vais peut-être réorienter cette question toujours vers le tango de la déesse des dunes. Wafa, tu as écrit, ça a été édité, le premier roman, Le Jasmin Noir. Ça a eu écho au niveau de l'université, ça a eu écho dans la presse, ça a eu aussi, tu as reçu des critiques, il y a eu aussi des débats, des réflexions autour du premier roman. Mais moi, j'aimerais recentrer la question vers le passage vers cette deuxième parution. Qu'est-ce qui a changé entre la première et la deuxième? Le style s'est aguerri certainement. Il y a eu un nouvel élan pour la romancière. Comment vois-tu cela? Bon, je ne sais pas si c'est exactement la même question. J'ai l'impression que c'est deux questions différentes. Donc, par rapport à Pour ne l'évolution, pas, oui, et oui, je ça. sais, mais pour ne pas revenir vers le Maghreb et vers le fait qu'on soit maghrébin, etc. J'aimerais pas m'attarder sur. Bien sûr, tu réponds à D'accord. la question, aux deux questions, si tu veux. D'accord. Donc, pour revenir à cette question posée par Nour, c'est ça, Nour el-Houdaï, par rapport à ce que ça m'a Oui. rajouté. Donc, d'abord, Non, le Houda, ce n'est voilà. pas que ça me rajoute, ça me permet de vivre, ça me permet de respirer, ça ouvre des portes, ça ouvre des fenêtres sur le monde extérieur, mais également sur le monde intérieur, sur mon intériorité. Ça me permet de découvrir des choses insoupçonnées en moi-même. Ça me permet de voir mais si j'ai des limites ou pas, si je peux aller au-delà de mes limites, à quel point je peux dire ce que je pense, si je me censure ou pas. Donc, ça me permet de vraiment sonder mes propres profondeurs et connaître mes limites, s'il y en a ou pas. Donc, ça me permet vraiment de me saisir moi-même quelque part, hein, l'espace de cette écriture. Ça me permet également de mener plein de vies à l'intérieur du même livre. Donc, dans le premier livre, je pourrais m'identifier à la chanteuse. Dans le deuxième, je pourrais devenir danseuse. Dans le troisième, on verra ce que je deviendrai. Mais ça me permet de vivre plein d'autres vies, donc, et de devenir, de mener la vie de chacun de mes personnages. Donc, alors qu'un être humain normalement constitué, le commun des mortels vit une seule vie normalement. Moi, je peux en mener plein en même temps dans le livre. Donc, ça, c'est pour répondre à la question de Mouna, de Nour el-Houdaï. Ça me permet également d'approfondir ma connaissance de l'être humain. Ça me permet de pouvoir également discuter fictionnellement de choses qui me pèsent sur le cœur, par exemple parler de tradition, parler de religion, parler de culture, parler de ces choses-là que je n'ai pas forcément l'occasion d'en parler dans la vie normale et je peux créer des scènes où ça me permet vraiment d'en discuter avec moi et moi-même, avec quelqu'un d'autre que je mets en scène pour porter donc ma pensée ou l'envers de ma pensée. Donc, ça permet plein de choses, je ne sais pas, ça me permet d'être plus moi-même peut-être, d'être plus fidèle à moi-même et à ma propre pensée, ma propre vision des choses. Voilà, ça. Et c'est, je le pense, le but de toute littérature, et je dirais c'est l'essence même de l'écriture, c'est-à-dire que ce n'est qu'à travers le texte, ce n'est qu'à travers les mots, et ce n'est qu'à travers, je dirais, ce tissu que l'on a au final, que l'on arrive à s'exprimer le mieux, que l'on arrive à dire ce que l'on pense vraiment, ce que l'on, je dirais, dit parfois tout bas. C'est une insurrection, c'est une révolution par le texte, c'est aussi une manière de s'adresser à cet autre. Et il y a une question de la part de Chéride Massi qui te dit, j'ai deux questions à vous poser, si cela ne vous dérange pas, madame. En Algérie, les lecteurs ne partagent pas avec les autres leurs références ou leurs lectures. Pourquoi? Première question. Et pourquoi l'école
algérienne n'apprend. Pourquoi à l'école algérienne on n'apprend pas à ses élèves de lire les romans ou les simples ouvrages pour qu'ils puissent découvrir ce qu'ils n'ont jamais vu ou lu à l'école? Est-ce que tu peux me répéter la première question? J'arrive pas à la trouver et j'ai pas entendu. C'est tout en bas, c'est Chérid Massi. C'est la question de Chérid Massi. C'est l'une des dernières questions dans le fil. Essaye de défiler. D'accord. Ouais. Tu arrives à la Oui? trouver? Non. Ah oui, ça arrive. Attends. Non, j'arrive pas à trouver. Oui. Bonjour. Voilà, j'arrive. Oui. Si vous non, en Alger, les lecteurs ne partagent pas, Voilà. ne partagent avec les autres leurs préférences. Tu peux me lire toi parce que c'est trop petit sur l'écran du téléphone. Oui, les lecteurs ne partagent pas avec les autres, ça veut dire le monde, leurs références ou leurs lectures. Pourquoi? Là, je n'arrive pas à cerner. Là, j'arrive pas à cerner vraiment la première question. Peut-être qu'elle veut dire que les Pourquoi on ne écrivains ne partage vont pas nos pas références aux avec les autres lecteurs? Je pense qu'il y a des écrivains pour ne pas être ne pas être taxé comme ça de, je dirais, de territorialiste. Je vais dire. Les écrivains tunisiens, marocains ou algériens se font éditer ici et ailleurs. Leurs textes sont accessibles. Maintenant, concernant la question de l'école algérienne, pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas les textes des autres? Moi, j'enseigne au collège, programme de troisième année. Je ne sais pas, peut-être le manuel scolaire a été réédité et on a changé quelques textes. Mais je suis où j'ai pu travailler avec mes élèves aussi bien des textes. De Kateb Yassine, que l'Ecclésio. Il y a eu aussi Mouloud Feraoun. Et pourquoi pas demain, je travaillerai Wafa Gorbel avec mes élèves. Ce n'est pas du tout, et cela ne cause aucun problème. Maintenant, concernant la visibilité des écrits ou bien concernant, je dirais, la portée éducative des romanciers, cela reste un choix. Est-ce que vraiment les collégiens ou les lycéens, peut-être, oui. Tu disais tout à l'heure, Wafa, qu'à l'âge de 11 ans, tu avais. Littéralement dévorer la bibliothèque de la maison familiale. C'est tout à fait louable, mais on n'est pas tous Wafa Gorbel, on n'est pas tous des romanciers. Et parfois, on ne lit pas beaucoup, parfois on lit, je dirais, trop, parfois on ne lit pas du tout. Mais quand il est question de littérature au sein du collège, il y a aussi la littérature de jeunesse. On peut adresser, par exemple, cher monsieur, pour répondre bien évidemment à la question, on peut aussi donner à l'élève des textes, des passages, des extraits de la littérature de jeunesse afin qu'il puisse s'initier à la lecture et puis passer, je dirais proprement parler, à la littérature pour celles et ceux qui lisent, je dirais, soit les classiques, soit les nouveaux écrits. Voilà. Je pense que tu as peut-être une autre vision des choses, Wafa. On aimerait bien Non, alors moi je ne l'entendre sais pas là-dessus. ce qui se passe exactement en Algérie, donc je ne peux pas en juger pourquoi les lecteurs, les écrivains, avec pourquoi Oui, je les sais tout à fait, lecteurs mais ne. c'est juste par rapport, je ne sais pas, j'essaie de recentrer la question sur, pourrait-on, tout simplement, pourrait-on enseigner tes romans au collège? Pourrait-on prendre des extraits de ton roman Ce n'est pas pour les vraiment. travailler à la compréhension de l'écrit ou du moins dans un milieu où il y aurait Programmé de pour l'instant. l'enseignement de la langue française. À un moment donné, on m'avait appelé pour me demander de donner des scènes de mes romans sur des petits textes sur la femme, par exemple, sur les traditions, sur le mariage, sur le pays ou le mal du pays. Donc, j'avais fait un relevé de quelques textes comme ça. Je ne sais pas si ça s'y fait ou pas. Donc, pour s'ils ont programmé ces textes dans les manuels ou pas. Il faut dire aussi que mes textes sont assez osés, donc je ne sais pas si ça peut s'adresser vraiment à des collégiens ou... Je parlais d'extraits, Voilà. lycéens ou voilà. Voilà. Parfois, il Mais y a je aussi sais des que... passages. Si je reprends, si tu permets, Wafa, il y a aussi des passages dans le Tango de la déesse Une seconde. où ça parle d'Oum Kalsoum, où ça parle aussi, je dirais, de fresques, où ça parle aussi de musique universelle, où ça parle aussi de pop, ça parle de jazz. Il y a cette intertextualité patente. Il y a aussi cet univers. C'est tout un monde. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de l'intégration, je dirais,
de tes romans dans le milieu éducatif. Peut-être qu'il est déjà introduit au niveau des universités tunisiennes, il le sera très prochainement dans les universités algériennes, mais aussi marocaines, et pourquoi pas ailleurs. Mais il y a aussi des questions que j'aimerais aussi concernant le tango de la déesse et cette dimension du moi qui est inhérente à tes écrits et dont Mohamed Bouchalta, le doctorant algérien dont je te parlais tout à l'heure, qui est un ami, l'assimile à une pensée soufie. Sachant que la Tunisie a vu naître plusieurs érudits soufis, il trouve que dans ton livre, par rapport à la dimension du moi, subsiste un raisonnement, quoi qu'il paraisse simple, qui est très profond concernant la dimension du moi. Partages-tu cet avis? Que peux-tu dire aussi là-dessus, par rapport à la dimension du Dimension. moi dans... En quoi c'est une dimension soufie? Je n'ai pas très bien compris, saisi la question. Je C'est-à-dire qu'il y aurait une. reprends, je reprends Oui. directement, je reprends directement, sinon sa question, Wafa. Essaye de défiler, c'est Monsieur Mohamed Bouchalta, tout en bas. Alors, Afif Mouat, je trouve l'influence de la pensée soufie, entre parenthèses, sachant que la Tunisie a vu naître plusieurs érudits soufis dans ce livre de Rorbel, surtout par rapport à la dimension du moi. Le raisonnement, quoi qu'il paraisse simple, est au fait très profond. J'apprécie beaucoup le passage que tu as su bien lire. Sur le moi, sur la relation à moi, alors je ne m'y connais pas vraiment en écriture soufie, mais il y a oui peut-être cette envie de rejoindre l'universel en passant par soi. Hein, c'est quoi finalement le soufi? C'est de trouver Dieu en tout, bien qu'il n'y ait pas vraiment cette dimension religieuse de la chose, mais il y a cette envie de faire correspondre le microcosme au macrocosme, c'est vrai. Dans ce sens, peut-être y aurait-il une dimension soufie, oui, comme il le dit, mais c'est intéressant. Hein. Je retiens la question parce qu'il faudrait que j'y réfléchisse un peu de plus près. C'est intéressant parce que ça me montre une dimension de mon livre que je n'ai pas saisie moi-même, peut-être. Oui, pourquoi pas. D'accord. Concernant la dimension du moi, peut-on échapper de parler déjà de soi dans un livre, dans un roman, qui plus est? Et peut-on aussi faire abstraction de cela et essayer de créer un autre moi qui soit beaucoup plus proche du personnage principal, des personnages, ou est-ce qu'il n'y aurait pas de barrière justement entre le moi tel que... que l'on connaît tous, et ce moi, je dirais, inventé. Alors pour moi, on part toujours de soi, hein. Quel que soit le personnage qu'on crée, on part toujours de soi et de sa propre expérience du monde, même si on camoufle donc derrière une histoire qui ne ressemble pas forcément à la nôtre. Par exemple, on peut faire de la science-fiction, on peut faire du thriller psychologique, on peut faire donc du roman, je ne sais pas quel genre de roman, mais qui n'a rien a priori à voir avec la réalité. Mais je pense qu'il y a toujours une part de nous qui est dans ce genre, dans toute écriture. Hein, je pense que, bien sûr, dans ce genre d'écriture que je m'exerce dans une écriture où j'écris dans des romans qui sont proches de la réalité, proches de ma vie. D'ailleurs, on confond souvent mon personnage féminin à moi-même. Donc, les gens, Il y a ils une confondent question, hein, il y a une également. question dans ce sens. Il y Voilà, a un ils internaute confondent. qui te dit bonsoir, qui nous dit bonsoir tout le monde. J'aimerais bien connaître, madame, vos sources d'inspiration sont-elles vécues ou bien fictives? Là, ça rejoint ce que tu viens de dire à l'instant, Oui. n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a forcément une part de soi. Dans le Jasmin noir, les gens ils me confondent très aisément parce que le personnage principal est une jeune étudiante tunisienne partie faire ses études en France, donc faire son troisième cycle en France, qui est sfaxienne, qui est chanteuse. Et tout Qui est ça me accueilli déchire. par les membres de sa famille, hein, qui est accueilli en France par les membres de sa Exactement. famille.
Exactement. Donc ça, c'est sur ce plan-là, c'est le personnage me ressemble comme deux. C'est moi-même. Tu es Donc parti ça. de Tunisie pour aller en France en quête, je dirais en quête, j'allais dire en quête de gloire. Mais oui, peut-être en quête de gloire aussi. La réussite à l'université, la réussite dans ta vie personnelle aussi. Mais justement, n'est-ce pas là aussi, c'est ton moi personnel, c'est ton moi, c'est Wafa Orbel qui est dans ses romans, qui laisse une place pour son vécu et non pas uniquement pour son vécu romancé. C'est forcément romancé, hein. Il ne s'agit pas d'autobiographie, hein. D'ailleurs, même dans l'autobiographie, moi, je conteste complètement le genre. Maintenant, on parle plus d'autofiction que d'autobiographie parce que je pense que quel que soit l'écrivain, même s'il parle d'autobiographie, tant qu'on écrit, on déforme les choses. La mémoire, déjà, elle-même, elle déforme les choses. Le style, l'écriture elle-même déforme la réalité et la reforme ou la reformule. Donc, forcément, on ne dit pas, il s'agit pas d'un reportage, donc il s'agit pas d'une transcription fidèle de la réalité. C'est forcément romancé, mais aussi, il y a forcément une grande part de moi dans tout ce que j'écris. Même dans les personnages masculins, pas uniquement dans les personnages féminins. Donc, je pourrais dire la même chose du personnage masculin du Tango de la Déesse des Dunes qui parle. Donc, c'est la première personne qui parle et qui envoie ses lettres. Il y a beaucoup de moi en lui. En ce personnage. Donc, il faut pas que ce soit une fille qui a le même âge que moi, qui a fait les mêmes études que moi, pour que ce soit. C'est-à-dire que c'est pas aussi Mais ce n'est pas schématique. pour autant, mais ce n'est pas pour autant une autobiographie. Il y a, tu laisses une large place pour la fiction, c'est romancé. Notamment, il y a beaucoup de fiction. Oui, Wafa, c'est aussi le tango de la déesse des dunes, c'est aussi du rythme, de la mélodie, du chant. On sent que derrière aussi, tu étais, moi personnellement, je le pense, tu étais influencé par, je dirais, par une dimension musicale assez tout à fait palpable, présente aussi au cœur du roman. Je t'avais, je dirais modestement, comme ça, humblement, fait ou adressé une critique à la fin de ma lecture du Tango de la Déesse des Dunes en 2018. Et je la Un très lisais, beau temps. concernant la critique, je la lisais vers 15h, 16h cet après-midi. Et je me suis rendu compte que vraiment, j'avais été conquis par l'aspect mélodieux de ton texte. Et justement, le titre y est pour quelque chose. Tango, pourquoi pas rumba, pourquoi pas salsa? Question tout à fait simpliste, mais je crois savoir que tu as une réponse, je dirais, en exclusivité à nous donner par rapport au choix du titre de ton deuxième roman. Si je me trompe pas. Oui, et tango, c'est le verbe tanguer, c'est le fait de tituber, c'est le fait de tournoyer jusqu'à l'évanouissement des fois. Donc, ça rejoint un peu la dimension soufie de ce qu'a dit notre ami tout à l'heure sur ce plan. Le tango aussi, c'est le fait de se balancer et de tournoyer autour de soi avec l'autre, mais donc entre deux hommes, entre deux femmes, entre deux continents, entre deux pays, voire même trois. D'ailleurs, trois, hein, le rythme du tango, c'est plutôt trois que deux, et on a trois continents, on a donc cette danse comme ça vacillante, très très présente. Et puis aussi, le tango, il exprime des sentiments qu'on ne trouve peut-être pas dans les autres danses. Le tango, c'est une danse où il y a l'expression de l'amour, mais où on peut avoir un regard dur aussi en même temps. Vous voyez les danseurs quand ils dansent, l'homme et la femme quand ils dansent le tango, il y a souvent de la fierté et puis en même temps il y a de l'amour, il y a de la
de beaucoup de d'érotisme dans cette danse, beaucoup de passion, mais des fois on a de la colère, on a des fois on a de la répulsion. Donc on voit les danseurs qui se rapprochent et qui se repoussent à un moment donné, qui tournent la tête comme ça sur le côté pour éviter le regard de l'autre. Et je trouve que ça exprime tellement de toute la palette des sentiments humains. On ne trouve pas ça dans la salsa, par exemple. C'est plutôt une danse joyeuse. La rumba, je ne m'y connais pas beaucoup, mais il me semble que c'est également une danse festive. Alors que le tango n'est pas forcément une danse festive. Ce n'est pas une valse. D'ailleurs, au départ, je voulais l'appeler la valse, pas le tango. Et après, en y repensant, je voulais pas de danse de salon. Je voulais plutôt une danse où on, le comment dire, la valse, c'est une danse où il y a un mouvement très répétitif et où on a l'impression que le sentiment est figé. Il n'y a pas une multiplicité sur le visage des danseurs. On n'a pas cette même palette riche qu'on trouve sur les visages des danseurs de tango. Essayez un peu de regarder un de ces jours. Je suis sûre que vous avez déjà fait ça, Une toi ou écriture les. mystique, te dit-on. Il y a, On oui, te il y dit, a, pour oui, rejoindre peut-être. le sophisme, je dirais la Oui. question qui portait sur le sophisme tout à l'heure, on disait, ou on dit à l'instant que c'est une écriture mystique. Rejoins-tu ce point Oui, de il y a vue peut-être ou... une dimension soufie ou mystique dans ce que j'écris, même si ce n'est pas fait de façon intentionnelle. Donc voilà pourquoi pour le tango et puis les dunes, je devine que je pense que tu as deviné pourquoi. Donc d'abord il y a cette scène de danse où la danseuse danse avec du sable carrément. Il y a toute une scène où elle envoie le sable en l'air. Comment dire, elle est toute blanche, elle est enduite d'huile et puis elle est complètement recouverte de sable. Donc, il y a eu toute une scène à propos de cela. Et puis, les dunes, c'est aussi, pour moi, c'est le pays, c'est la Tunisie, c'est le désert, le Sahara tunisien, ça renvoie un peu à l'image du pays. Voilà. Et c'est ce métissage, donc, Orient-Occident, voilà, dans le même titre. Revenons avec M. Alaeddine Mesaoudi qui dit incroyable, corps en mouvement et sentiments figés. Moi, je dirais au fait que c'est le texte qui est en mouvement par ta phraséologie, par ton lexique, par ton vocabulaire, par justement la construction du récit. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ce n'est pas de l'épistolaire. Mais c'est toujours cette réponse. Pourquoi as-tu cette, je dirais, j'ai l'impression, pourquoi as-tu cette envie de répondre toujours à quelque chose? Ou bien pourquoi la narratrice, ou le narrateur, ou tes personnages ont cette, justement, capacité-là à aller vers l'autre? Et pourquoi choisir cette posture? Je réponds à, je vais vers, en écrivant, bien évidemment. Ben peut-être parce que moi-même, je vais vers l'autre et puis je vais aussi, j'ai ce mouvement vers moi-même d'abord et puis vers les autres en écrivant. Je ne sais pas, je ne saurais pas te le dire parce que je l'ai pas fait de façon intentionnelle une fois de plus. Mais disons que, je ne sais plus ce que je voulais dire par rapport à la lettre, il y a cette sincérité qu'on pourrait. Vous voyez, le fait d'écrire une lettre, ça ressemble un peu au journal intime, même si ça s'adresse à l'autre. Mais il y a dedans, parce qu'on n'écrit pas à n'importe qui. Normalement, on écrit à quelqu'un avec lequel on est intime. Donc, il y a cette expression de l'intimité dans l'écriture épistolaire. Et d'ailleurs, c'est pour ça, d'ailleurs, que je pense que j'ai opté pour le genre, entre guillemets, épistolaire. Et aller vers l'autre, peut-être parce que c'est dans ma nature aussi, d'aller vers l'autre que dans cette façon que j'ai d'entreprendre les choses et j'ai voulu donner à mes personnages peut-être un peu de moi en les amenant à aller vers l'autre et à s'ouvrir sur l'autre. Je sais pas, hein, je le dis ça comme ça, mais je sais pas pourquoi. Tu pourrais peut-être D'accord, répondre plus pour moi. je comprends tout à fait, mais je ne pense pas que tous les romanciers, tous les écrivains ont cette capacité à aller vers l'autre. On a reproché assez souvent, je dirais, à nos écrivains maghrébins de soit trop s'ouvrir vers l'autre et aller vers, je dirais, l'Occident. D'ailleurs, tu as eu tout à l'heure une question sur le fait de se faire vendre.
écrire pour se faire vendre, écrire pour l'autre, et justement ce désir de rester dans une littérature francophone du terroir, n'est-ce pas? Oui. Tu voulais dire autre chose, je pense. Tu as rebondi sur la question, mais j'ai l'impression que tu voulais me dire autre chose, non? Tu? Je n'ai Je pas bien pense que saisi, tu Wafa. voulais. Tu m'as reparlé de la question qui m'a été posée tout à l'heure par rapport au fait de vendre, mais tu voulais me dire autre chose avant, non? Oui, exactement, oui, c'est ça. C'est juste que j'ai un petit Et... problème avec le son, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Apparemment, c'est mon téléphone qui me gâche un tantinet ma soirée aujourd'hui. Mais arrête de rire. D'accord. Donc, c'était une question, c'était quoi? T'as Oui, pas rebondi sur la question? c'était une remarque et c'était une remarque là-dessus. C'était une remarque D'accord. par rapport au fait de soit on s'ouvre trop vers l'Occident, soit on reste trop dans notre sphère, je sais pas, nord-africaine, maghrébine ou bien d'écrivain francophone. D'ailleurs, moi, cette question m'a toujours, je dirais pas bouleversé mes idées, mais elle m'a toujours un peu enquiquiné. Pourquoi? Wafer Orbel, où est-ce qu'on va classer tes romans en France? Va-t-on parler de littérature française? Va-t-on parler de littérature francophone? Ou va-t-on parler de voilà, la romancière Wafer Orbel? À ton avis? Ou du moins, ce que Bon, tu penses là-dessus? on n'en est pas encore là. Je sais qu'en Tunisie, on me classe dans les rayons littérature tunisienne d'expression française. Hein, il y a, donc, c'est un rayon à part parce que tous les écrivains tunisiens n'écrivent pas en langue française. Donc, moi, je suis classée dans cette catégorie-là. Après, en France, je ne sais pas, il faudrait demander aux lecteurs français comment ils me voient, s'ils voient en moi. Je pense que je serais dans la littérature maghrébine ou dans la littérature francophone, plutôt, je pense. Mais Pourquoi après, pas ce n'est pas à moi de définir. Pourquoi pas? pourquoi pas dans une Français? littérature monde écrite en français? Mais moi, Peut-être. ce que j'aimerais faire découvrir à ton lectorat algérien, moi je suis passionné, j'ai lu tes deux romans, je connais la personne, j'ai eu la chance justement de te connaître et ce fut une rencontre fort agréable. J'aimerais revenir sur quelques points. Qui ne m'ont pas laissé indifférent sur ton œuvre. Alors, la tourmente du jeune homme, palpable dans le texte, une forme d'écriture qui procède par contrepoint, que j'explique, comme une fugue de récits, celui de l'homme, celui de la femme. Deuxième point, il y a deux réseaux textuels qui sont là, un intertexte, des intertextes, d'autres discours que celui qui prédomine, de la poésie. Le récit de Georges Bataille y est aussi présent. Je soulèverai aussi une dimension hétérolingue, l'hétérolinguisme, présence des langues, l'arabe dialectal, l'arabe classique et le français, page 168. Il y a aussi des mots arabes qui sont présents. Il y a aussi de grands poètes, de grands écrivains, Nizar Qabbani, à titre d'exemple, page 25. On est, si tu partages mon avis, dans un intertexte omniscient, dans un intertexte que tu travailles loin de cette, je dirais, de cette, du fait que ton écrit soit fortuit ou qu'il soit non travaillé ou qu'il soit ou qu'il émane justement comme ça de cette pulsion dont tu parlais tout à l'heure. Il y a un travail sur le texte. Et je sais que tu travailles tes textes, parfois tu lis. Tu relis, tu finis toute une page et tu effaces tout pour la recommencer. Oui. Alors, il faudrait peut-être que j'explique et que je rebondisse sur une question que tu m'avais posée tout à l'heure et à laquelle je n'ai pas répondu parce qu'on avait posé une autre question. Par rapport à ce passage du jasmin noir au tango de la déesse des dunes. En fait, l'écriture de la pulsion, oui, notamment avec le jasmin noir ou de l'impulsion, je dirais pulsion et impulsion. Avec le tango de la déesse des dunes, la démarche est un peu différente, même si l'impulsion est toujours là parce que je n'écris pas sur commande, j'écris en fonction de mes propres pulsions, de mes propres envies physiques carrément.
L'écriture du jasmin noir est beaucoup plus brute et abrupte et brutale même que celle du tango de la déesse des dunes. Et c'est là l'évolution, en fait. La démarche n'était pas du tout la même. Donc, dans le jasmin noir, quand je l'écris pour moi-même d'abord. Je n'ai complètement pas pensé au lecteur et je l'écris en fonction de mes envies du moment, de mes besoins surtout du moment et de mes douleurs peut-être du moment. Donc oui, le style est là forcément, mais c'était un style encore un peu bataillant parce que je sortais de la thèse, parce que j'étais très marquée par cette écriture de la déchirure, du déchirement, du silence. Et ça correspondait beaucoup aussi au thème abordé, donc un thème qui par rapport à la violence, donc une violence infligée à une enfant, un traumatisme. Donc cette écriture syncopée, elle correspond, bataillienne, correspondait parfaitement au thème traité dans le jasmin noir. Le tango de la déesse des dunes, donc, a été écrit bien longtemps plus tard. Donc, il y a 8 ans ou 9 ans ou 10 ans entre les deux livres. Donc, Donc, il y a eu une forcément, forme de maturité là-dessus. Il y a eu une il y a eu. maturité. Forcément, je me suis éloignée de bataille un peu, des livres de bataille. Et donc, il n'y a plus cette influence un peu pesante sur mon écriture. Et puis, j'ai pris de l'âge, j'ai lu d'autres écrivains. Comme Duras par exemple, entre autres, mais il y en a plein d'autres. Et forcément, il y a une certaine maturité et il y a beaucoup moins de cet aspect brutal ou brut surtout de l'écriture. Donc ça perd peut-être un peu en sincérité, en spontanéité, je veux dire. Pas en sincérité en termes de sincère ou pas, ce n'est pas ça. Je ne suis pas hypocrite quand j'écris, Une mais spontanéité maîtrisée ou bien une voilà. spontanéité travaillée. Ça perd en spontanéité et ça gagne beaucoup, je pense, en poésie. Donc, par rapport au jasmin noir, il y a Le beaucoup plus de... lyrisme. Le tango Voilà. est, je dirais que le tango est plus lyrique que le jasmin, n'est-ce pas? Exactement. Le jasmin est plus choquant et plus brutal et plus abrupt. Le tango est plus dansant et plus travaillé. Alors que le personnage du jasmin noir est centré sur lui-même, donc cette jeune femme est centrée sur elle-même, sur son intériorité. Le personnage du tango de la déesse des dunes est beaucoup plus centré sur ce qui influence sa vie, sur ce qui meuble sa vie, sur ce qui l'entoure. Les musiques, tout ce qui l'entoure, la musique, la littérature, la poésie. Donc il y a des romans, il y a de la poésie, il y a même un film à un moment donné, donc dans le dernier The Last Tango in Paris, il me semble, le dernier chapitre du c'est le titre d'un film en fait. Et je pense que ça permet, même s'il y a un traumatisme dans le deuxième roman également, ça permet un peu d'amortir le choc. Il n'est pas aussi choquant peut-être que le jasmin noir. Et donc, comme je l'ai dit, il perd peut-être comment dire, en spontanéité, en émotivité. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais il Ça gagne, se je dit, pense, oui. en poésie. Voilà. Une Il gagne en poésie. romancière habitée par le rythme du tango, je le pense. Sa plume est à l'instar d'une baguette de chef d'orchestre. Roman est égal à mouvement. Roman est égal à rythme. Roman est égal à sonorité mélodieuse. Le mouvement par le récit, le rythme par la phraséologie et les sonorités mélodieuses. Je dirais par le travail sur le mot. Tu travailles le mot, tu travailles tes phrases, tu les retravailles. Cela donne des paragraphes envoûtants, cela nous donne un récit, cela nous donne, comme je le disais en préambule, une romancière habitée par le rythme du tango. Je reviendrai vers le narrateur, l'auteur des lettres, narrateur du récit, acteur et actant, s'exprimant à la première personne. La subjectivité est à voir au niveau de l'énonciation. L'espace, le temps et l'acte du langage. Pourquoi avoir choisi le jeu? Je ne sais pas, je voulais m'identifier à ce... me placer du côté de son point de vue à lui.
Je ne sais pas, tu sais que dans la vie, il y a, la vérité n'a pas un seul visage. Il n'y a pas une seule vérité avec un grand V. Il y en a plusieurs. Et chaque vérité a différents visages, plusieurs visages. Je ne sais pas si dans la vie, par exemple, quand quelqu'un vient te raconter une histoire quelqu'un d'autre vient te raconter la même histoire, ça donne des versions des fois complètement différentes et tu ne sais pas de quel côté te ranger. Tu ne sais pas quelle version tu devrais croire, qui dit la vérité et qui ne la dit pas. Et je pense que, en fait, ce n'est pas en question de vérité ou mensonge, c'est en question de. En fait, la vérité n'a pas un seul visage et chacun a sa propre vérité. Et c'est justement pour cette raison que je voulais m'identifier à ce personnage. Vouloir, en fait, c'est un exercice de style en même temps. Je voulais, parce qu'on m'a tellement confondue moi-même avec mon personnage féminin dans le Jasmin Noir, que je voulais dire, voilà, je suis capable d'être un homme. Je suis capable de me mettre dans la peau d'un homme et de raconter une histoire qui lui ressemble. Et vous allez quand même vous identifier à moi, que je sois homme ou femme. Parce que finalement, la littérature n'a pas de sexe, je pense. On me pose toujours cette question, littérature féminine, littérature féministe, est-ce qu'il y a, pour moi, la littérature, elle n'a pas de sexe, elle a juste une sensibilité ou des sensibilités, c'est-à-dire qu'un homme est tout à fait capable comme Nizar Kabeni d'ailleurs l'a fait, de prendre, de s'identifier en femme, de parler ou de prendre la parole comme une femme, et qu'une femme pourrait faire l'inverse, la même chose, et que c'est une question de sensibilité, pas de sexe. Des fois, il y a des hommes plus féminins que certains hommes, et des fois, il y a des hommes qui sont plus des femmes qui sont plus masculines que certains hommes. J'entends par le discours, hein, pas par la. Je ne parle pas en matière de sexualité là, mais je parle en matière de parole. C'est une question de sensibilité et pas de sexe. Et je voulais quelque part me prouver à mon lecteur que je suis capable de représenter un autre personnage qui ne me ressemble pas. Lui, il est un homme, moi, je suis une femme. On a des parcours qui ne sont pas les mêmes. Donc voilà, je voulais peut-être me prouver que j'étais capable d'être un homme, pas uniquement une femme en matière de littérature. Peut-être, je ne sais pas. Donc une sensibilité tout à fait particulière vis-à-vis, je dirais, de ta poétique et de ta création. Moi, cette poétique et ce talent au niveau de la création, au niveau du deuxième roman, Le Tango de la Déesse des Dunes, c'est je dirais, une relation ternaire entre l'auteur, la littérature et la musique. Penses-tu avoir, je dirais, avoir réussi à congédier entre les trois? A réussi à, pardon, j'ai pas entendu. Je t'ai dit, penses-tu avoir réussi à congédier plutôt, à établir une relation entre les trois, entre l'auteur, la littérature? Oui, parfaitement, oui. Ouais, bah, j'espère en tout cas avoir réussi à mettre ces éléments ensemble. Bon, moi, c'est l'écrivain, donc forcément, je suis en relation avec les deux. Mais le fait que, pour moi, c'est très important qu'il y ait de la musique dans mes romans, comme c'est très important qu'il y ait des textes dans mes chansons. Donc, c'est l'interartialité pour moi est quelque chose de vraiment. C'est conscient et c'est complètement assumé. Et pour moi, voilà, c'est deux choses que j'aime au-dessus de tout. Et il faudrait qu'il y ait un mélange, un tressage, un métissage de ces deux genres dans mon univers. Donc, voilà. Je Je ne sais pas pense si j'ai aussi que tu réponds à la question, mais je pose la question, mais j'ai une partie, je dirais infime ou minime de la réponse. Je pense aussi que le tango, c'est un rythme et que ce rythme est perpétué à travers des séquences macrotextuelles qui sont les lettres. Parce qu'on se rend bien compte qu'au niveau du tango, ces lettres, je dirais, successives, apporte aussi ce rythme-là, bien évidemment, du point de vue thématique. Oui, tu Oui, disais, Wafa? exactement.
Oui, c'est tout à fait raison. Moi, je l'ai oublié ce détail, mais c'est vrai que le rythme, les lettres, c'est le rythme du tango. Oui, C'est une c'est série. conscient. Voilà. C'est ce que je voulais dire. C'est une série. C'est-à-dire, c'est la danse du tango, c'est la marche. C'est. Il y a bien évidemment d'autres analyses, je dirais, peut-être scientifiques. Ce n'est pas le but de ce soir. Nous rappelons que il s'agit beaucoup plus d'introduire la romancière Wafa Horbel dans le champ immédiat ou inhérent à la littérature maghrébine pour qu'elle se fasse, je dirais pas connaître, on la connaît déjà, mais pour avoir beaucoup plus de lecteurs ici en Algérie. Je terminerai justement, je dirais, ma critique en parlant de mouvements, trois mouvements, un mouvement rapide, un mouvement lent et un autre mouvement rapide à l'image d'une sonate. C'est-à-dire que le rythme du tango, trois mouvements, ces trois mouvements-là, on les ressent dans ton roman. Et là, c'est, je dirais, chapeau, mais aussi c'est un travail entre la musique et la littérature, c'est une relation entre les deux. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, même si je pense que toi, tu as plus que moi le recul nécessaire pour pouvoir examiner ce mouvement. Parce que il y a certaines choses qui ont été conscientes, il y en a d'autres qui ont été certainement inconscientes, parce que c'est l'écriture aussi qui impose son rythme des fois. Des fois, le rythme nous échappe, comme dans une danse. Il y a des moments où on maîtrise et puis il y a des moments où on est en transe. Et où le mouvement nous échappe, et c'est justement pendant ces moments qui nous échappent, c'est pendant ces moments qu'on improvise, comme en chant, quand il y a ce mawel ou ce scat qui arrive à l'intérieur de la chanson. Et c'est ces moments-là qui permettent vraiment de se lâcher, de lâcher prise. Et c'est plus nous qui guidons la danse, c'est la danse qui nous guide, c'est la danse qui habite notre corps, qui prend le dessus et qui impose le mouvement du texte. Donc c'est pour ça que je te dis, toi tu as plus de recul que moi et le lecteur en général a plus de recul que moi pour pouvoir examiner ces mouvements-là qui par moments sont mon propre choix et par d'autres moments m'échappe complètement parce que moi-même je m'abandonne complètement à un rythme qui vient, je ne sais pas d'où est-ce qu'il vient, s'il vient de l'intérieur, s'il vient de l'univers, s'il vient de. Donc, mais des mots Il est en eux-mêmes. toi, il est en toi. Le rythme, ce rythme-là, il est en toi, il est en chacun de nous. Mais justement, en tant qu'écrivain, tu as cette capacité-là à cerner, je dirais, à cerner les choses. Avant de finir, Wafa, le mot de la fin te revient, bien évidemment. Qu'as-tu à dire à ton lectorat algérien? Qu'as-tu à dire à tes lecteurs algériens qui t'attendent de pied ferme? Je viens de lire à l'instant un commentaire qui disait pourquoi pas Wafa Gourbel en Algérie. Oui, alors d'abord, j'aimerais te remercier infiniment, mon cher Afif, d'avoir pris cette initiative de m'inviter sur cette page de doctorants. Mais je sais qu'il n'y a pas que des doctorants, il y a des enseignants, il y a donc tout genre de lecteurs. J'en suis vraiment ravie de me présenter et que tu m'aies présentée auprès de lecteurs ou de bibliophiles algériens. Oui, pourquoi pas. D'ailleurs, on avait projeté, toi et moi, malheureusement, ce virus, ce maudit virus On nous en a un avait parlé justement. peu Oui, impacté. je m'en rappelle très bien. On en avait parlé justement de ta possible venue. J'allais Juste venir été. à la fin, en juin, Voilà. je pense c'est ça, on avait prévu ça, mais malheureusement tout est tombé à l'eau. J'avais tellement de projets en Tunisie, en France, en Algérie, partout, et voilà, maintenant, Voilà. on est gardé, Je crois qu'on vient de trouver le vaccin contre la COVID, du moins la première version. Et D'accord. moi, j'aspire à ce que tout se fasse en place pour que Wafa Orbel et, je dirais, tout écrivain tunisien, marocain et même algérien soit plus visible sur la scène littéraire, qu'il y ait justement des maisons d'édition qui sachent reconnaître la valeur de chaque création, de chaque auteur, de chaque romancier. Moi, tu nous as fait honneur aujourd'hui. Je te remercie. Je ne te remercierai jamais aussi de nous avoir accordé quand même 2h30, presque maintenant 3h. Je sais que tu es très fatigué, que tu as des tâches
que à faire, que Ah. tu as aussi plein de travail à accomplir. Non, Je suis prêt. c'est un véritable bonheur de. Malheureusement, je n'ai pas pu lire toutes les questions qui ont été posées. Je vais prendre le soin d'y répondre, peut-être pas ce soir, mais d'y répondre une par une. Surtout les questions qu'on n'a pas pu poser au cours de la séance. C'était un Oui, véritable mais on plaisir a pour moi. essayé. Hein, on a essayé, oui, mais ça On a défile. essayé, on a essayé de répondre, on a essayé de répondre à tout cela. Moi, j'aurais aimé aussi présenter plus en profondeur tes deux romans, mais je vais laisser le soin à nos lecteurs algériens de se procurer les deux romans qui sont disponibles à Tunis. Si vous avez des amis de la famille, vous pouvez les acquérir. Il y a aussi la Tunisie, c'est la porte à côté. On peut aussi organiser des vacances pour la fin d'année en décembre si les frontières vont réouvrir pour se procurer le jasmin noir. Le prix, justement, tu étais lauréate du prix Le Camar d'Or Découverte en 2016 pour le jasmin noir et le tango de la déesse des dunes, deux romans formidables. Je le dis en toute honnêteté, en tant que lecteur et en toute subjectivité, mais je le dis aussi d'un point de vue scientifique. On aura l'occasion, très cher Wafa, de se revoir peut-être très prochainement. Donc, je te dis à bientôt et À je te remercie. Je te merci, merci remercie et infiniment on à toi. t'envoie plein de bisous. Merci à tous ceux qui Allez. nous ont suivis tout ce temps. Ciao, ciao. Allez. Bonne Ciao, ciao. soirée À à la prochaine, tous et Wafa. au plaisir Bonne soirée à de toutes et à vous tous. revoir. Ciao. Je vous Merci. dis à la prochaine. Merci. À la prochaine. Bye. Bye bye.